Et on est de retour pour la suite des dessins. J'espère que vous avez bien mangé. On va enchaîner avec deux dessins, Compass et puis Collide, sur ces petites airs de jazzy. Gamer Pro qui est là! Je suis trop content. Allez, Gamer Pro, ça va. Le sourire. Comment ça va? Est-ce que t'as vu le dernier dessin que j'ai fait? Voilà, c'est celui-là. Juste pour dire bonjour, bah c'est gentil. Bonjour, Gamer Pro. Bah ça va très très bien. Tu penses quoi de mon dessin alors? Ça va exécuter ça. Oh yeah! Ça met de bonne humeur cette chanson. Allez, petite idée de coup. Avec Compass, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec Compass? À part un Compass, du coup. Tellement à faire en fait, c'est ça le problème. On va passer. Une des meilleures OST, quand même. C'est qui la musique? C'est dans Super Mario Odyssey, c'est la fille de New Donk City. Je te mets le lien si tu veux voir. Tiens, c'est ça. D'ailleurs, je te conseille ce jeu, qui est trop bien. Je croyais que c'était ma chaîne YouTube. Tu croyais qu'il y avait une... Ah oui, ah d'accord. Tu croyais que ça venait de YouTube. C'est une musique de fond que j'ai mis. Bah ma chaîne YouTube, après tu l'as vu. Si tu veux rejoindre ma chaîne YouTube, elle est dans les bah c'est bah elle y est normalement ma chaîne YouTube, attendez. Ça c'est ma chaîne YouTube. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec Compass? Ah
Le premier lien que je t'ai envoyé, c'est la musique que tu peux entendre. Parce que tu me demandes ce que c'était. Qu'est-ce que je peux dessiner au fait un loup? Non, mais le thème c'est compas. C'est un compas. Un compas. Tu vois ce que c'est? Ça peut être une boussole. Ça peut être une rose des vents. Déjà, j'ai commencé par faire une rose des vents. Non, non, c'est. Alors. Ah, bah du coup, en fait, tu connais pas Inktober? En fait, en gros, c'est un thème imposé par jour. Attends, je vais t'envoyer une photo de. Je vais te montrer ce que c'est Inktober. En gros, c'est tous les dessinateurs du monde entier qui sont sur une même liste. Enfin, pas tous, mais tous ceux qui ont le temps, en tout cas. Je vais essayer de te trouver Inktober 2021. Original parce que là qu'est-ce qu'ils ont fait là? Elle est là. Voilà. Est-ce que je peux ouvrir l'image dans un nouvel onglet? Voilà. C'est ça la liste. Voilà. Et du coup là je rattrape mon retard. Parce que j'ai 3 jours de retard. Eh oui. On apprend des tas de choses. Bah tant mieux, c'est un peu le but en même temps. Qu'est-ce que tu racontes de beau, Gamer Pro? Je viens pas de dupliquer là. Tu pourras faire un quiz vendredi soir. En vrai, why not? En vrai, c'est faisable. Pourquoi pas? Un quiz vendredi soir. J'en parle à Camille si elle avait pas prévu de faire un truc, qu'on fasse un truc ensemble, mais j'y vois aucune objection. Pour l'instant, je vous valide ça dans la semaine, donc n'hésite pas à repasser un de ces quatre. Mais ouais, un quiz dans la semaine, car pendant la semaine, moi je peux pas. Non, mais aucun problème, je vais essayer. Je vais essayer de le faire vendredi soir. À quelle heure tu serais dispo, toi, par exemple? Je dis pas que ça va être cet horaire-là, mais en tout cas, je vais essayer de. Ça va compter dans la balance. Vers 18-19 h, je peux à peu près. À peu près, ok. Bah, en général, les quiz, ils commencent vers 21 h. Donc ça devrait être bon si c'est 21 h. D'accord, ok, ça marche. À partir de, en tout cas, à partir de 18 h-19 h, si t'es là, normalement, moi ça sera vers 20 h. Ça devrait être bon. Ça me ferait plaisir que tu sois là, ouais. Trop cool, trop cool. Et ben, j'espère que tu vas gagner. Attention, la compétition est rude. Je sais pas si t'as assisté à peu près, t'as assisté au replay des autres. Il y avait du niveau, hein. Les gens, ils étaient forts. Il faudrait que je fasse comme ça devant. Oh merde. Si tu peux venir, c'est trop cool. Okay. Ouais, j'ai pas eu de pub en venant, c'est un miracle. Je viens d'y penser. Ah, c'est peut-être parce que tu t'es abonné, non? Non, j'en sais rien.
C'est bizarre. T'as changé de navigateur? Attends, faudrait que je mette ça sur un autre casque. J'aimerais bien être abonné, lol. Et non, j'ai pas changé de navigateur. Ok. Parce que vraiment. Alors, les pubs pendant le live, je les ai désactivés. Et toi, la dernière fois, tu m'as dit que t'en avais une, donc ça, j'ai pas compris. Et après, oui, il y a des pubs au début de mes lives, normalement. Mais pas tout le temps. T'as eu de la chance. Après, pour ce que ça me rapporte, je peux te dire, c'est. Ça fait pas grand chose. C'est ridicule. Allez! Voilà. Quand t'es abonné, t'as quoi en vrai? Alors, t'as accès à des. T'as accès à des. Déjà, t'as pas de pub, normalement. T'as accès à des emojis, à des emotes en plus, genre ceux-là. Donc je crois le tout premier c'est le cœur. Celui que t'obtiens c'est le cœur. Voilà. Ça c'est des trucs que j'ai créés. Bah t'as des badges en plus, des badges abonnés. Qu'est-ce que t'as d'autre? Faut demander à ceux qui sont abonnés. Il n'y a pas beaucoup d'avantages, hein, c'est juste que tu soutiens la chaîne. Moi, ça fait grandement plaisir. Oh bah, passez-moi un abonné maintenant. Passez-moi un abonnement maintenant. Voilà. Non mais, c'est pas. Franchement, c'est juste. Toi, le seul avantage que t'aurais à être abonné, c'est juste pour les pubs qui te saoulent. Bon. Le gratteur. Après, il y a potentiellement un gars sympa qui pourrait passer et t'offrir un abonnement. Un de ces quatre, c'est possible, ça arrive. Peut offrir des abonnements. Mais c'est pas. En vrai, moi je te conseille pas. Enfin, toi en tout cas, t'as rien à gagner. Moi, ça me fait plaisir, ça me soutient. Donc ça fait plaisir. Vraiment pour moi, je suis très content. Mais après, si t'as pas, si tu peux pas t'abonner, le fais pas. Hein. Te force pas. Hein. Oui, voilà, il y a les emotes et les badges et les pubs. Mais en fait, tu soutiens la chaîne, en fait, c'est ça, surtout. On verra ça dans 10 ans quand je pourrai avoir mon argent si tu fais encore des lives. Ah, et on sait, franchement, bah tu vois, si j'ai suffisamment de soutien, si j'ai suffisamment de soutien dans 10 ans, tu me vois encore faire des lives. Ou autre chose, de la production aussi, vidéo, audio, je sais pas, mais il y aura des trucs, hein, si ça monte. Mais merde, je vais pas y arriver. Tu joues à quoi, GamerPro, en ce moment? Merde. Comment je vais faire?
t'es chanceux. Après, je vais faire routier. Donc, tu vois un live tous les jours. Ah, bah après, routier, normalement, ils ont. Je crois que maintenant, ils ont des clés 4G, non? Pour avoir internet dans leur camion. Enfin, si t'es un routier du futur, honnêtement, je pense que tu auras des clés 4G. En ce moment, tu joues à Knuckles City. Ah oui, trop bien. Et c'est ton rêve du coup d'être routier du coup, hein, c'est ça? Je crois que tu nous en avais déjà parlé. C'est quoi qui te fait rêver là-dedans? Bah, mon père a passé ses permis. Donc là, on est. Donc, il est pas là, il est en tournée en Belgique. Il a passé son permis, donc là, il est pas là. D'accord. Ah, j'aurais pu faire ça. Je me fais chier vraiment. Pourquoi j'arrive pas à faire ce que je veux là? Bah vu, bah j'ai vu le salaire et j'aime les gros trucs. Ça touche combien à un routier? Je sais pas du tout ce que ça peut toucher. Ah mais c'est pas bon en fait, hein. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est vraiment pas bon. Ok. Ah, comme ça. Voilà. À peu près 3 000 par mois. Mais du coup, ça doit payer. Avec ça, tu dois payer l'essence, non? Un truc comme ça? Ça dépend si t'es routier indépendant, je crois, un truc comme ça. C'est ton père qui est routier? Du coup? Merde, c'est comme ça que je vais faire. Oh là. Pourquoi il veut pas? Non, c'est avec ton argent que tu paies l'essence, mais c'est pour ça que le salaire est élevé, puis du coup il est routier. D'accord. Oui, voilà, donc c'est bien ça. C'est ton argent. C'est pour ça que le salaire est élevé. Du coup, à défaut, vu la route que tu fais, je pense que tu gagnes pas tant que ça, hein. Ça coûte cher l'essence, hein. Enfin, surtout, j'imagine, pour les camions. C'est chaud. Et c'est un métier hyper important par contre. Il est souvent en vadrouille ou t'arrives à le voir souvent quand même? Pendant les vacances, je vais aller en tournée avec lui normalement à Bordeaux. Trop bien, trop cool. Ça va être sympa en vrai. Tu dois voir beaucoup de paysages et tout. Il va être fier de toi, si tu fais comme lui. Bah là, il devrait rentrer vers 3-5 heures du mat. Donc demain, je le vois. Trop cool! Donc des fois, en fait, il y a des plusieurs jours où tu le vois pas, puis après, il se démerde toujours pour rentrer. Trop bien ça.
Sinon, ça va les cours? Pas trop dur la reprise? Enfin, la reprise, on est déjà un mois. Bientôt les vagues pour toi. Ça va faire du bien. Youma Youma yeah! Re! Tu veux voir la fin de mon helmet? Attends. La fin de mon helmet, il est là. Voilà. Comment ça va, Youma Youma yeah? Bah par exemple, à Bordeaux, il va dormir dans la cabine, car derrière les sièges, t'as une autre cabine de 1 mètre par 2 où il y a un lit et dormir à se reposer. Ouais, j'ai vu. Moi, ça m'a... En vrai, j'aurais voulu tester juste... Bah ça va très bien, merci beaucoup, merci. Ouais, les... ça a l'air d'être hyper cosy, en vrai. Tu vois, le côté... le côté se balader avec sa maison, ça doit être vraiment... vraiment ouf en fait en vrai. Ouais, j'ai pas supprimé là. Bah. On parlait Yuma Yuma Ye, on parlait avec Gamer Pro du coup du métier de routier du coup. Parce que c'est ce qu'il voulait faire plus tard. Bah ça dépend, les camions. Là par exemple, pour la tournée, il m'a fait monter le camion. Désolé pour l'insulte, mais c'est un camion de bâtard. T'inquiète. C'est-à-dire, un camion de bâtard, genre c'est de la folie ou alors c'est de la merde. Ça peut avoir un double sens. C'est pas un gamer pro alors s'il veut faire routier. Bah après il peut faire genre si il y a les jeux les jeux comment ça s'appelle Truck Simulator, Euro Truck Simulator, ça c'est, il y a des gamers pro là-dessus hein. Mais c'est vrai que par contre tu seras moins dispo sur internet, c'est clair. Mais tu verras du paysage. Genre énorme camion quoi, d'accord. Moi j'avais visité, c'était un Renault Truck il y a longtemps. Un prototype de Renault Truck. Et c'était trop de la folie à l'intérieur. Qui dit putain. C'est. Truc de fou. Bah je peux prendre ma retraite dès 50 ans. Je dis une connerie, mais après les 3000 par mois, je rentre, je pourrais m'acheter n'importe quoi. Ouais ouais c'est vrai. Bah en fait c'est triste mais moi j'ai réalisé que la retraite ça rapportait pas tant que ça. Y a des gens ils arrivent à la retraite ils avaient un bon salaire et en fait après tu te dis oh putain c'est chaud en vrai. C'est chaud, on dirait pas comme ça mais les retraités ils auraient de quoi se plaindre parce que la différence de salaire entre ton salaire que t'as et puis ta retraite, tu fais. Oh en plus, ils sont tellement en manque de routiers qu'ils te paient le permis poids lourd. Ouais, mais en vrai, c'est vrai qu'avec toutes les livraisons qu'il y a à domicile, c'est clair que c'est un métier où il n'y aura pas de pénurie de travail. Pénurie de main-d'œuvre, mais pas de travail en tout cas. C'est même toi qui le paye. C'est même pas toi qui le paye, ouais, c'est clair. Ah merde. Bon Yuma Yuma Ye alors, il est trop cool ce dessin là que t'as partagé. C'est sur quel thème? C'est un petit Yuma Yuma Ye commission, j'avais pas vu que t'avais mis par dessus, trop mignon.
C'est un petit. Comment ça. Pas capybara, mais. C'est un pangolin, merci. C'est un pangolin. Trop mignon. Vraiment chou. Vraiment super chou. C'est pour ça que le Covid a côté positif. Ouais. C'est. Oui. On peut voir ça comme ça. Alors attends, est-ce que je peux faire ça plutôt? Je vais le tourner comme ça. Et après, on va faire comme ça. Et après. Alors, je vais peut-être le garder de côté celui-là quand même. Voilà. On va le garder de côté. Voilà. Même s'il a tué beaucoup. Ah! Oui, le Covid! J'ai cru ton père, ça m'a fait peur! J'ai eu trop peur! Pendant un instant, j'ai dit: quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Oui, le Covid a tué beaucoup de monde, ouais. Mais j'ai cru que tu parlais de ton père à un moment, j'ai fait: waouh! J'ai eu trop peur! Ah, mais pourquoi ça peut être... Mon père, c'est un serial killer. Ouais, je sais pas pourquoi. J'ai eu peur pour rien. Faut que ça les prend. Je vais les décaler. Allez, s'il te plaît, prends ça. Voilà. Là, on a un effet 3D qui pète sa mère. En 2 secondes. Oh putain. That music. That beautiful music. Musique d'attente de Mario Kart Wii. Bon, t'as bientôt fini alors, Yume? Ouais. Mario Kart, oui! Cette petite madeleine de Proust. Non, du coup, tu m'as posé ma question si ça allait bien l'école. Bah, pour l'instant, oui, trop bien. Non, encore la colo et 2 emotes. Ok, trop bien. Bon, faudrait que je m'y mette peut-être à faire des emotes. Peut-être à la fin d'Inktober. Hein. Paraît que ça rapporte bien. C'est la pieuvre qui se disloque. Énorme squid. Toi, tu t'as joué à Squid Game avant l'heure. Non, il est pas endetté si on paye son école à sa place. C'est vrai. C'est comme le délire à l'école avec Squid Game. Désolé, mais les primaires, ils sont cons sur ce point-là. Bah apparemment, ouais. Ils sont trop cons.
J'ai entendu, ouais, j'ai vu des retours, j'ai fait, mais déjà, à quel moment, vous, primaire, vous regardez cette série? C'est vraiment pas une série pour vous? De quoi nous primaire, je suis au collège. Non, mais j'ai jamais dit toi, j'ai jamais dit que t'étais en primaire toi. Mais j'ai vu des infos et j'ai vu des infos que qu'en primaire c'était la merde avec cette série. Comme au collège avec mes 1m50. Les sixièmes font mettre. C'est horrible ça. D'être petit, moi j'étais dans la taille moyenne, tu vois. Au collège, c'est juste après, fais gaffe. Bah oui. Ou alors j'ai vraiment rien compris. Mais en vrai, je m'en bats les couilles, vraiment. Tu restes un Lilliput pour moi. C'est mignon un Lilliputien. Il faut toujours avoir un plus petit que soi. Est-ce que comme ça? Ah, comme ça c'est mieux. Ça l'enfonce. Bah ouais, par exemple, je m'en bats, mais totalement. Mais t'inquiète, je prends pas ça pour une insulte. Bah non, hein, c'est clair. Faut pas prendre pour une insulte. La bonne taille, c'est quand tu touches le sol, de toute manière. Ah, ça a des... Ouais. Ouais, ça a grave des avantages d'être petit, en vrai. Déjà, tout est à ta taille. Enfin, je veux dire, les grands, eux, ils se tapent la tête, alors que toi, t'as peu de chance de taper la tête, tu vois. Ah, de tournage, comprends. Ah oui. Ouais, j'ai beaucoup de différences d'âge. Enfin, je recommence. Il y a pas mal d'âges différents dans mes followers. C'est ça, je suis assez content. Merci, je me tiens droit. Il y a mon pro. J'avais un petit peu oublié. De plus. Ah d'ailleurs, Yuma, tu fais quoi dans la vie? Tu t'es étudiant? Chut, tu fais charmeuse pro? Charmeuse professionnelle. Bah écoute, très très bien. C'est un métier de... T'es hyper vieux comparé à moi, lol, t'inquiète, c'est libre. Mais moi je suis encore plus vieux que vous, alors vous vous calmez, hein. Oui, parce que charmeuse professionnelle, bah, c'est pas pareil, hein. Chômeuse professionnelle. <C'est>... le lapsus. Alors, moi, à votre avis, vous me donnez quel âge? Mais GamerPro, tu m'as jamais posé la question? Quel âge j'ai, moi? À votre avis, j'ai quel âge? Ah, ça... Pas loin, mais c'est pas 30. Je suis pas 30. Récemment, j'ai monté d'un cran. J'ai monté d'un... 32 ans, en vrai. Non, j'ai pas 32 ans, en vrai. Arrêtez de me vieillir, s'il vous plaît. Wow!
Un peu moins de 30 ans quand même. Tu verras au bout d'un moment. Encore un peu moins. 28, j'ai 28. J'ai 28. Bien joué. Après, tu peux citer. Voilà, non mais stop. Tu... Ah, ça va exploser! Ça va exploser! Planquez-vous! Ouf, c'est bon. Il a arrêté la bombe. Et ouais, 28. Alors vous êtes tous petits pour moi. Donc il n'y a pas de, y a pas de discrimination. Vous êtes, je suis plus vieux, c'est tout. Yumayumaye, m'en fous. Je suis plus vieille dans l'âme. ouais, du coup, Yumayumaye, si vendredi soir je fais un quiz culturel, est-ce que tu penses être dispo? Parce que si j'en fais un, faudrait qu'il y ait un maximum de gens. Genre Gamer Pro, il sera là. Tu t'appelles Mamie Yuma, tellement j'ai d'histoires à raconter. Oh, Mamie Yuma. C'est trop mignon en vrai. J'ai envie de presque de dessiner une Mamie Yuma. Sur une colline comme ça, qui raconte des histoires à des enfants. Ouais, bon, je vous laisse, je vais préparer mon sac pour demain et tout le bordel. Bonne nuit tout le monde. Salut, bonne nuit Gamer Pro. Salut, salut. C'est pas fou, hein, ça pour l'instant, ce que je fais là. T'as fait, tu cherches dans quoi, Yuma? Salut Gamer Pro. Oui. Rien, je décide. Et si j'ouvre les... Commission, je n'ai ni mental ni physique pour bosser. D'accord. Mais c'est très bien hein, déjà. En vrai, tu te. Bah, ça peut être ton métier. Hein. Ça peut être ton métier de. Pas de soucis, Gamer Pro. Ça peut être ton métier de dessiner. T'as jamais vraiment réfléchi à que ça pouvait être... ça pouvait en faire vraiment un métier. J'ai l'impression en plus que tu te démerdes vraiment très bien. Tchuss, tchuss les BG. Tchuss BG. Je peux pas me surmener. D'accord. Bah aucun problème. C'est un problème. C'est un problème du coup. Un handicap au quotidien? Ou c'est juste une ça, ou c'est juste une philosophie de vie. Ça peut être aussi ça peut être les deux. Genre les gens ils disent je veux pas me surmener. Et j'imagine que c'est plutôt un handicap comme tu le dis. Je sais pas. Ce que j'ai en fait, mais j'abandonne vite. D'accord, ok. Donc ouais, c'est plus genre. Alors, moi je suis comme toi, hein, j'ai tendance à me lancer dans plein de projets et d'abandonner très très vite. Mais par contre, ce qu'un truc m'a prouvé, c'est que en gros, il n'y a pas, enfin, en gros, un travail, quel qu'il soit. Ça va. Enfin, ça dépend après le type de travail. Ouais, non, remarque, ça dépend un peu le type de travail, mais en gros, moi je suis quelqu'un qui passe très vite à autre chose et qui a du mal à me focaliser, à me focus.
Sauf sur les dessins, j'arrive un peu à me canaliser. Et du coup, ouais. En gros, c'est. J'ai peu de problèmes de concentration au travail, tu vois. Je sais pas pourquoi, mais. C'est comme ça. Mais j'ai ce problème-là de. Et Camille, c'est encore pire d'ailleurs, tu devrais. J'ai 50 millions de dessins en cours. Alors, ouais, alors il y a ça aussi, c'est que. Faut pas te dire que c'est des tâches à faire. Faut imaginer que moi j'ai 50 millions de projets qui sont en cours que j'ai abandonnés en fait. En vrai. Ils sont en pause, tu vois. Mais je me concentre sur un. Parce que en ce moment j'ai envie d'y faire et puis après peut-être que je passerai à autre chose, tu vois. Mais je sais que c'est horrible. C'est de se dire, t'as. Je te comprends totalement, hein. Ah non, même pas. Mais j'ai envie et puis. Envie d'autre chose. Et puis encore d'autres choses. Ouais, je vois. Ma pauvre. T'as 50 millions d'idées, d'accord, ok. Dis-toi que c'est un. Est-ce que tu bah tu ouais, à 23 ans tu vois ce que c'est les brainstorming et tout. Moi en fait j'adore faire ça. J'adore les brainstorming parce que du coup tu te retrouves avec des potes ou des collègues et le but du jeu c'est de sortir toutes les idées qui te passent par la tête. Et c'est génial en fait. Tu te rends pas compte du don que tu as d'avoir 50 millions d'idées qui te traverse l'esprit. Alors je sais que c'est horrible au quotidien parce que du coup il y a, bah c'est dur pour se focus sur quelque chose. Mais par contre dans ces moments-là, tu es la personne la plus importante au monde pour s'il y a un brainstorming à faire. J'ai pas d'amis mais sinon des fois c'est un atout, oui. Oh mais non, comment ça se fait que t'as pas d'amis? Oh non, je suis sûr que tu mérites des amis, tout le monde mérite des amis. Mais écoute, t'es la bienvenue ici en tout cas. Mais en tout cas, il y a aucun souci. J'espère que ça va. Non, mais après, voilà, tu communiques avec des gens, tu vois, tu communiques avec moi. Il y a des moments où il y a besoin de sortir plein d'idées et c'est vraiment, vraiment un atout du quotidien. Puis là, tu m'as bien dit que tu faisais une commission pour une pote, là. Donc tu me dis pas que t'as pas d'amis. C'est pas vrai. Tu m'as menti, t'as bien une pote, là. En plus, tu dis que t'as plein d'histoires à raconter. Bon, moi, j'aimerais bien entendre tes histoires. Hein. Je sais pas si tu connais, il y a quelques années, il y avait un truc qui s'appelait la veillée. C'était des gens qui avaient vécu des trucs formidables, ultra fous, et qui, devant un parterre de personnes, racontaient leur histoire et tout. Et c'était tout le temps tellement émouvant. Toute personne. Ah non, mes histoires sont tristes, MDR. Mais il y avait des histoires folles, hein, tristes. Genre, il y avait des histoires tristes, mais dont les individus arrivaient à en sortir grandi, tu vois, de ces mauvais moments. Bah, pote, parce que c'est un streamer et que je regarde, c'est tout. Oh. Non, mais. Mais t'es la bienvenue ici. En plus, tu es charmeuse professionnelle, d'après ce que tu m'as dit. Alors, du coup, on a tous besoin de charmeuse professionnelle dans la vie. Hein.
Mais je sais. Je te taquine. Oh, comment ça? Ah là là, ça commence à se... C'est n'importe quoi, faut jamais faire ça. Je suis sûr c'est pas vrai. Toute personne est belle. Je sais pas. Ah, bah après, il y a des gens qui aiment moins d'autres personnes, hein, c'est clair. Ça, je te dis pas le contraire, hein. Mais la beauté, c'est subjectif. J'ai fait moi. Sinon, t'as des histoires joyeuses à raconter? Des trucs qui t'ont marqué, des trucs drôles qui te sont arrivés? Parce qu'on est en mode radio libre, alors du coup, n'hésite pas. Bah moi, je suis belle, mais pour une pincée de personnes, on va dire. Mais en vrai, l'important, c'est que tu plaises à des gens. C'est tout. En fait, c'est con là, la boussole elle peut pas tourner. Comme j'ai fait. C'est con d'avoir mis nord, sud, est, ouest. J'ai fait rire ma mère une fois. Ah, comment t'as fait? Voilà, et on va passer à la lumière après. Je lui ai dit que plus tard, je voudrais pas de voiture parce que ça pollue et j'aime pas ça. Elle m'a dit, mais s'il pleut, je lui ai dit, bah je prendrai une bâche de piscine sur moi. Je voudrais une bâche de piscine sur moi. Voilà, nul. Mais elle a rigolé. Pour la première fois avec moi. Oh. C'est trop bien de faire rire ses parents. C'est trop cool. Et avant, tu avais jamais réussi à la faire rire? C'est la seule fois, je crois. Oh non. Je suis sûr que non.
T'abuses un peu. Tu te dénigres trop pour que ce soit vrai. Tu veux dire que ça vient de ta maman? Comment elle est. Tu veux dire elle est pas gentille? Depuis que mon beau-père est là, je suis limite un chien qu'on respecte pas, et c'est allé de pire en pire avec sa secte. Ouh, d'accord. Ah oui. Ouh là là. Ah, on part dans les délires de secte. Aïe aïe aïe. C'est un truc de bien pour, de, tu sais, de truc mystique, genre faut mettre des petits papiers sous les trucs là pour exorciser les mauvais esprits, les trucs comme ça là. Parce que ça, ça je connais une personne qui a ça. Et c'est terrible. Putain ma pauvre. Vraiment, courage. Je suis sûr que tu mérites pas ça. Je suis même pas, en fait, je suis même pas sur Discord, donc en fait. Ouais. Allô. Déjà, coucou. J'étais même pas, j'étais même pas sur Discord et je me suis dit bah tiens ils arrivent pas et en fait vous étiez là depuis longtemps. Ouais, voilà. Ah ouais. Ah. Attends, faut que je change ma résolution. Deux secondes, excusez-moi. Ouais. Va falloir. Rendre joyeux une personne qui est un peu triste dans mon chat. Ah bon? Ah, c'est qui? C'est Yuma Yumaye. Oh, elle me racontait un peu ses aventures et tout. Et oh. Elle mérite pas ça, vraiment. Pas. Oh non. Qu'on est là, Yuma Yumaye. D'accord? N'hésite pas. Ah, oui. Elle me disait qu'elle avait pas de potes et tout. Et que. Mais du coup, non, c'est pas vrai. Elle a des potes quand même. Elle discute et tout là, avec des gens. On va parler de ça. Mais ça va aller. Ça va aller. Bah, bon. T'as pas le droit aux anniversaires ni aucune fête. Et sa mère est dans une secte apparemment. Pareil, t'avais pas le droit de parler avec les garçons avant le mariage arrangé. Oh là là. Ah, elle dit, t'inquiète, ça va. Ok. Bah ma pauvre. Ça a dû être un peu compliqué, j'imagine. Ouais. Comment ça va, Alex? Eh ben, moi, ça va très bien. Je suis prêt à casser des mouches. Tant que c'est des mouches, ça va. Non, casser des bouches. Ah, des bouches. Donc on va voir ce que ça... donner ce petit jeu sympatoche du petit Bezos. Ouais. Alors du coup, Yuma Yuma demande comment vous allez.
Bah écoute, j'ai bien mangé, j'ai bien bu, j'ai la peau du ventre bien tendue. Et bien tondue. Voilà, tondue, ouais. Pour le peu de poils que j'ai sur le torse. C'est aller vite. Merde. C'est ça que je voulais faire. Ah, ça... Bon, ma Camille a mouru. Camille, elle a un petit problème de Ko, non? Ko, non, le barbare? Oh là là. Non, c'est pas au MMORPG Conan qu'on va jouer. Non, vrai, il y a un MMORPG dans l'univers de Conan le barbare. Ah ouais. Oula, Conan, MMORPG apparemment, ouais. Ouais, ça mais existe. Je savais même pas que la licence elle était encore en vie. Enfin, en vie, je sais pas, mais. Je sais. L'envie d'avoir envie. Exactement. Ouais, apparemment, okay, même moi, c'est Conan. Un jeu de survie. Un jeu de survie? D'accord. Conan Exiles. Et quoi? Conan Exile. D'accord. Je vais faire pipi. Je laisse. Attention Alex, tu es le seul à communiquer envers ma chaîne directement. Attends, il faut que je mette ton live. Rien à voir avec le manga en fait. Comment? Il faut que je mette ton live. Ah ouais, si tu veux, ouais. Je vais faire pipi là, je reviens très très vite. Je vous laisse avec Alex, qui est le premier BG. De la team des BG. Voilà. Alors je vais essayer. Là maintenant je vais aller. Et je te laisse avec Yuma Yumaya qui est charmeuse professionnelle. Non, elle a dit charmeuse professionnelle, mais elle est chômeuse professionnelle. Non, elle avait fait une faute d'orthographe, mais c'est très drôle. Attends. Voilà. Ah, dommage que ça soit une faute. Ouais, moi je pense qu'en vrai elle est charmeuse professionnelle. Allez, je vous laisse. Allez. Oula. Alors tu te. Alors, je vais écrire un. Voilà. Bon, je suis sur le stream de Fabien directement. Je vais pouvoir dire des trucs. Qu'est-ce que je pourrais bien dire de méchant sur Fabien? Oh, pas rien en fait. Liga Khan, STP. Méga canne à pêche apparemment. Bon bah apparemment Camille a vraiment bugué du coup. Bah je crois hein. Ouais. Merde. Bah faut croire, effectivement. Ah oui parce qu'en plus on a plus que tous les deux. Il y a un thriller, il y a un trailer sur Pokémon apparemment. A tout à l'heure. What? Ouais, apparemment. Où ça? Bah, envoie le lien. Avant de partir. Le remake de la 4G. Alors merde. Ok bon. Alors à moins que c'est celui qui. On va faire de l'or. Plus ça, j'ai pas. Alors est-ce que c'est peut-être
Il y a le lien là. Bienvenue à tous, c'est Chisto, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. On va enfin parler de l'actu. Ah ouais, mais ça c'est un truc qui a déjà popé, non? Ah oui. Ouais. Tiens, je le connais pas celui-ci. She's to play. Ça va bientôt s'arrêter la musique, non? She's to play. Je le connais pas ce streamer Pokémon. Enfin, ce streamer, ce YouTuber Pokémon. Ouais. Oh, l'image. L'image de YouTube, enfin de Fall Leaves Autumn Nintendo Mix. Regarde, trop mignon. Qu'est-ce que ça? C'est ma playlist là. Oh, c'est Chopinopinet? Ouais. Alors, est-ce que ça change à chaque fois qu'il y a la musique? On dirait un gameplay. Ah d'accord, c'est un gameplay peut-être. Ouais. Ah non. Trop choupi. Ouais, c'est choupi choupiné. Elle essaie de régler la résolution de son écran, Camille. Si, je dessine, pourquoi? Ah oui, elle m'a envoyé en avance, tu dessines pas finalement. Bah si, je dessinais. Elle a pas vu que j'étais en live, quand elle m'a envoyé ce message. Alors... Ah, ça c'est trop bien ça. J'ai jamais fait la 4G, j'espère que le jeu va être cool. Ouais. Oh, on verra bien. J'ai rien que j'ai pas forcément de grosses attentes par rapport à ce remake, vu que j'ai jamais joué à la 4G, donc on verra bien. Bon, alors, qu'est-ce que tu racontes, mon petit Alex? Qu'est-ce que je raconte? Ouais. Eh ben... La routine, quoi. Enfin, ce week-end j'ai fait une soirée jeu. Enfin, je suis allé à une soirée jeu. Trop cool, avec qui? Bon, avec l'autre colo, on allait au café associatif où je bossais avant, là. D'accord. Et là, on travaille toujours, la directrice adjointe. Ah oui, d'accord. De mes colos, donc, on y allait, on a vu une pote de là-bas et on a joué. C'est cool. On a joué la soirée. Ça s'est bien passé. Ouais, on a. Elle était pas vénère. Ouais. Ton ancienne non, directrice. Non. Non, ma directrice de colo, non, ça va. Enfin, si, parce que en ce moment il y a un nouveau collègue là-bas qui fait un peu de la merde au niveau du café. Donc bon. D'accord. Non, enfin, c'est plus. Ouais. D'accord. Ça me concerne plus trop. Il y a You. Non, mais après la soirée. Ouais. Ouais. La soirée était sympa. Ouais, c'était sympatoche. On a bien joué. J'ai découvert des nouveaux jeux, donc c'est cool. Ah, trop cool. T'as joué à quoi?
Alors, j'ai joué à un truc qui s'appelle Montgolfière. D'accord. Et un autre truc qui s'appelle Pyramidis. Mais c'est des vieux, vieux jeux. D'accord. Ah, Camille, oui, le retour. Camille. J'ai des trucs vraiment bizarres qui se passent. Ouais. Je sais pas quoi faire. Ça se passe très bizarre. Déjà, je change New World d'écran. Yuma dit la 4G est bien en général, mais un peu long les combats. J'ose espérer que ça a changé. Ah, Pokémon. Ouais. Alors, ça donne ça. J'ai joué. Alors, attendez. Ça. Je crois que déjà, je vais pas stream. Là-dedans. Tu vas pas stream que je... Non. J'ai trop de problèmes là. Ça me saoule de ouf. J'ai vraiment envie de jouer, mais j'ai trop de trucs. Oh putain, ça me saoule. C'est fou. Ah, t'as partagé ta My Ludo. Ah, c'est con parce que je peux pas y accéder, t'as vu. C'est fou. Y'a pas le lien total. Ah bah, tu copies-colles. Oui, 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 bien sûr. Je vais regarder. Allez. Ça sélectionne ton prénom, c'est sûr. Allez, j'arrive. Voilà. Ah ouais, ah oui, c'est... Oula, oui. Oh, oui, j'ai déjà vu ce truc-là, mais c'est vieux. Effectivement. C'est vieux, vieux, vieux. Et ce qui est dommage, c'est que ces deux jeux-là, c'est des... C'est des masters. Qui sont plus édités. Ah ouais. Ils doivent valoir une fortune. Et j'ai joué à un autre. C'était... celui-ci... Vous m'entendez bien? Oui, pour l'instant, oui. Quand on entend bien. Ça, c'est bien. Alors, attendez, peut-être que je vais pouvoir résoudre mon problème, alors. Maybe. Ça serait cool, quand même, hein? Ouais. Le rond au-dessus du clapet est bizarre. Celui-là, là? Ouais, t'as raison, il est chelou. Oui. Je devrais l'enlever. Ok, effectivement, je vais pas stream. Alors, parce que ça va me saouler en fait. Je vais juste. Je vais virer. Voilà. Oui, il y a un truc chelou. T'aimes pas toi de quoi? Ouais. Ah! Non, je pas. Je réagissais à Yuma. Il a sa remarque. Voilà. Là, déjà, c'est moins choquant. Faut imaginer qu'il est un peu en 3D aussi. Hein. Ouais. Trop purée. Non, mais je Oui, alors là, il y a un petit souci quand même. C'est le Joker chez toi, Cam. Ouais. Est-ce qu'ils ont joué à Apex là avec Clément? Ouais, c'est Donald, c'est Dingo. Non, c'est Mickey. C'est Mickey. Ah oui. Oh. Oui, je sais même pas pourquoi j'ai dit tout ça avant de dire. C'est Donald, c'est Dingo, c'est la petite sirène. Un de ceux-là. En fait, c'est le jeu où faut pas donner la bonne réponse, faut donner que des mauvaises réponses, tu sais. Voilà, c'est ça. Sûrement Tiplouf comme à l'époque. Ah. Hop là, bon écoutez. Hop, là là là, non. À quel moment New World il veut jouer là? Ah oui, il faut qu'on choisisse un serveur, Alex. Peut-être voudriez-vous me choisir, moi? Je ne demande pas beaucoup de tips. Je peux vous servir comme vous voulez. Vous souhaitez quoi? Vous voulez boire quoi? Allez. Oh, Yuma, tu stream? Je fais des emotes de mon perso. Non, c'est pour... Alors, je sais pas, tu stream ou c'est pour ta pote? Ça se trouve, tu stream, mais... Tout à l'heure, elle me disait qu'elle faisait, des emotes pour une pote. C'est cool.
Eh ben écoute, je pensais prendre Tiplouf aussi. Par contre, si tu stream, je vais directement m'abonner. Ah, attends, je pensais prendre Tiplouf aussi, je pense. De même. Ah ouais, parce que j'aimais bien le Tiplouf de du dessin animé, enfin de l'animé. Ouais. Tu vas sûrement streamer. Bah écoute, regarde, hop là. Je te follow. Pareil, j'ai follow. Je te follow. Ah bah attends, je vais y aller aussi. Comment... Où est-ce qu'on peut voir? Si t'es sur ton portable, tu cliques dessus et puis tu fais genre voir les infos. C'est toi qui as fait ta photo de profil là? Ah bah allez. Pourquoi j'arrive pas à lancer le jeu en fait? Elle est trop mignonne. C'est quoi ce délire? Minecraft? Et je suis running. Ah. Ok, attends. Camille, elle va me. J'ai l'impression qu'elle veut me balancer un truc à la gueule, mais elle peut pas. On sait pas grand-chose sur sujet, mais on est sûr que. Je suis désolée, je suis vraiment très énervée. Ah, mais je sens dans ton. Je sens que tu vas me balancer un truc à la gueule virtuellement. C'est fou, hein. Non, je suis vraiment énervée de ouf. Pourquoi je fais ça? Ça va bien se passer. Je me fais chier. T'inquiète, ça va aller mieux là. Dès que j'arrive à lancer le jeu, juste, je veux même pas stream, je veux juste lancer le jeu quoi. Vraiment, j'aimerais pas être dans les parages hein, quand Camille est comme ça. Ah ouais. Moi, je vais prévenir Jess. Jess, cache-toi. Surtout, ne viens pas. Ben, je ne sais mais pas surtout si, surtout s'il se met à faire du bruit et tout. en juin, là, je vais le défoncer quoi. Pourquoi en juin? En juin. Non, pas en juin. En juin. Allez, je vais lancer le jeu. En Putain. Juin. Pourquoi en juin, Alex? Non, mais on est en octobre. Bon. Mais de rien, Yumaye. Écoute, on a ça hâte que tu sois. Fais du bruit en juin. On ira faire un tour. Ouais, franchement. J'ai bien 4. Ouais, je suis bien chaud. J'ai pété un câble. Surtout que là, t'as... Pourquoi? Je peux pas. T'as deux personnes ici, là, présentes, qui sont très très fans de Pokémon. Je... Ok. Elle va péter un câble, il a dit. Oh là là. Bah, le contour il est où? C'est Mario Kart, oui, encore. C'est Mario Kart, oui. De quoi Mario Kart, oui? La musique je suis très que j'écoute. Le Pokémon, c'est ma vie. On est bien d'accord. Et ouais, Pokémon. Les Pokémon, mais les Pokémon. Pokémon. J'ai pas compris. Les Pokémon, mais les Pokémon. Ouais, c'était une blague de merde. Oh, petit jeu de mots. Camille est de retour, elle est là, elle est de retour. Elle est de retour. Ah non, elle est plus là en fait. Non, elle est plus là. Ah là là, décidément. Quand c'est pas toi. Quand c'est pas moi, oui.
Alors tu t'en sors avec ton pangola? Avec mon quoi? Non, pas toi. Tu disais à Yuma Yumaya qui dessine son pangola. Ouais. Elle fait un pangola en ce moment. Elle l'a mis dans art si tu veux. Hein? Elle est pas. Ah non, je croyais qu'elle était en train de. Enfin, kill ou elle? Elle. Était en train de. Je résous les problèmes avec le son. D'accord. Pas de soucis. Ah. Ah, ouais. C'est dans art. Attends, mais est-ce que j'ai donc Discord? Je sais pas. T'as accès à mon Discord? Il s'appelle Fabien 3D. Je crois que je l'ai pas, non. Bah attends, regarde. Tu fais ça. Attends, je te fais ça. Voilà. Tiens, regarde. Clique sur ce lien. Camille. Il faut que tu fasses, la petite procédure pour follow. On va y arriver, Alex. Je te promets. Hein. Je fais mon possible. De chargement de. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ça marche. Alors attends, j'essaie de faire un truc. Pourquoi ça me... J'ai pété un câble. Camille, contrôle-toi. J'essaye. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Faut faire quoi? Faut juste que tu ailles dans l'onglet commande et que tu fasses un underscore follow avec ton truc pour pouvoir voir les dessins en question. C'est tout expliqué. Alors, je suis dans le sas de décontamination, là. Oui. Ok, et là, il faut que je fasse quoi? Il n'y a pas de... Attends, on est sans classe. Juste, est-ce que je peux se lancer? C'est tout ce que je demande. Oh, ma pauvre. Ma pauvre Camille. C'est ouf! En plus, il y a un jeu Sherlock Holmes qui me nargue, là. TG le jeu, TG. Allez, hop. Moi, je jouais à New World. T'y arrives, Alex? Ok. Ah, mais c'est le pseudo Twitch, j'avais pas lu. Oui, il faut que tu mettes le pseudo Bien Twitch. Bien lu. Voilà. 69. Je crois que c'est ça. Ouais. Mais. Ben non, c'est pas ça. Attends. Mais toi, c'est Maolan 69 tout attaché. Attends, j'arrive. J'arrive, je viens. Camille, contrôle-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Non, j'ai juste posé mon téléphone, vraiment. Non, mais je sens que tu balances des trucs là. Alors, non, faut pas le mettre ici, faut que tu le mettes dans le truc commande. Attends. Mais si, Maolan 69, c'est bien ça? Bah oui. Mais t'es pas follow à ma chaîne, à mon avis. Si. Attends. Bien sûr que si. Quand même. Attends, est-ce que c'est vraiment ton pseudo? Attends. Bah oui, sur Twitch, mon pseudo, c'est Maolan 69. Ok, New World est pas lancé. Moi. Donc, okay. S'il te plaît. Je ne comprends pas. C'est pas avec une majuscule? Je vais réessayer avec une majuscule. Y a pas une mise à jour de New World par hasard que j'aurais loupé? Non. Qu'est-ce qui se passe? Mets-le pas dans les 100 classes, mets-le dans commande, mais bon, c'est pas grave. J'ai pas commande. Code si. Du vaisseau, tu veux dire? Dans commande. Dans le vaisseau, t'as commande. Putain. Non? Non, j'ai pas. J'ai le sas de décontamination et les 100 classes. Ah ouais? Ouais. Et quand tu cliques là sur, par exemple, pensez à prendre votre billet dans commande, si tu cliques dessus, il se passe quoi? Alors attends. Je peux pas cliquer dessus. Quoi? Mais comment tous les autres qui arrivent, ils y arrivent? Il y en a plein qui ont réussi à faire ça. Commande. J'ai pas commande du tout, j'ai code du vaisseau. J'ai le sas de décontamination, j'ai les 100 classes, et j'ai la salle d'attente dans la cabine d'exploration. Ok. Je ne comprends pas. Rebon, mon ordi, il détecte trop de bruit. Ah d'accord. What the fuck? Bah, les gens, ils arrivent à mettre dans commande, donc je sais pas comment ça se fait. Toi, t'y arrives? Bah, moi, j'ai même pas ce salon, en fait. Ouais.
Mais quand tu vas dans le code du vaisseau, par exemple... Ah oui ! Ah, je sais pourquoi, parce que faut que t'acceptes les règles pour que ça marche. D'abord, t'as pas accepté les règles. Dans le code du vaisseau, faut que tu les acceptes. Ok. Voilà. Ah, d'accord. Voilà, maintenant c'est bon, t'as pas suivi les règles. Et là, ça marche, normalement. Ça, c'est Zelda, ouais. C'est Zelda. De toute façon, c'est qu'une playlist Zelda, trop mignonne. Ouais, mais c'est pas vrai, c'est... Ça marche pas ? Vas-y, follow, refollow toi. Des follow, refollow. Ok. On va essayer. Ok, je ne suis plus Fabien 3D. Et vas-y. Maintenant, je fais suivre. J'ai même pas l'annonce. Follow, défollow. Ouais. C'est normal, je crois, quand tu follow, défollow, qu'il n'y ait pas d'annonce. Ok. Donc je fais ensuite follow Maolan 69. Mais là. Ah! Une erreur survenir de mise à jour de New World. Et comment ça, mise à jour? Bah non, mais moi je vois pas mise à jour. Non, mais toi c'est normal, Alex, c'est parce que tu l'as installé tout à l'heure. Oh, si. Attends, j'attends. Ouais, je comprends pas. Bah sinon, moi je vais t'attribuer le rôle moi-même, hein, c'est bon. C'est trop bizarre. Alors attends. Oups. Je t'attribue le rôle. C'est bon, tu es passager. Passager clandestin. Voilà, passager. Maintenant tu es passager. Là t'as accès à tout normalement. Ok, là c'est bon. Voilà. Décidément. Mais c'est bizarre, hein, Alex. Vraiment bizarre. Je ne comprends pas. Pourtant, c'est bien mon pseudo Twitch. J'ai pas changé. C'est très bizarre. J'en parlerai à Lume, mais je pense que c'est étrange. Non, j'ai bien mon c'est bien mon identifiant, c'est bien mon pseudo Twitch. Je suis fatigué de ouf, je vais me coucher, bonne nuit. Bah, bonne soirée, bonne nuit. Ciao, ciao, ciao. Tu vas se coucher ? Bah, c'est Yuma, ah. Yuma. Oh, bon, bah, bonne nuit. Bonne nuit, Yuma. Je te jure, je vais péter un câble, je sais pas quoi faire. Ah non, ça bug encore ? En fait, le jeu se lance et après, je suis bloqué sur l'écran où ça affiche genre New World. Putain. Oh, c'est bizarre ça. Moi j'y suis là. Est-ce que vous voulez qu'on se fasse un phasmophobia? Non, mais j'aimerais vraiment je résoudre ce problème là. Je suis. Ça fait genre 40 minutes que j'essaie de lancer le jeu quoi. Si ça se lance pas. Ouais. J'ai juste à me coucher quoi. Mais j'en ai marre là. J'ai vraiment envie de jouer. Je reviens vite au prochain stream. Et bah, gros bisous. Ça fait bien plaisir en tout cas. Ça fait gros plaisir. Ça fait gros plaisir. Bonne nuit. Bonne nuit. Oh merde. Juste le jeu. Putain, c'est pas vrai. Je voudrais juste le blanc. Est-ce que j'ai un problème du pare-feu? Il n'y a aucun sens à ton bug, c'est fou. Contrôle d'application, navigateur. Attends. Ah non, non, non. Non, casse-toi. Non, mais c'est pas normal. Pas juste genre le jeu, il plante. Attends, je vais essayer. Ah. Alors peut-être. Non. Peut-être, oui. Ça bouge pas. Alors peut-être. Ouais, alors peut-être rien. Le joueur français. Là, ça me dit que Steam doit être en route pour pouvoir vérifier que vous êtes bien sur Steam. C'est un bug entre Steam et... Excusez-moi, normalement vous m'entendez maintenant. Oui, on t'entend.
t'entends plus. Ah bon? Tu m'entends plus? Oh là là. Allô? Ouais. Ah, allô. Moi, Alex, je t'entends. Non, c'est bon, je vous entends. Ah. Steam must be running to play this game. Make sure you are running Steam. TG running Steam là. Steam il est ouvert. Putain, c'est. Si tu redémarres, tu redémarres peut-être, je sais pas. Bah, tout à l'heure je l'ai fait en fait. Je comprends pas. Camille, t'as essayé de redébrancher et rebrancher ta box? Ouais. Non, tu l'as fait pour de vrai? Regarde. Non! Non! Non, je rigole! Non! Non! C'est pas drôle, Camille! Allez, le jeu! Je rigolais! Non, mais je sais. Moi aussi, je sais que tu rigolais. Je surjoue. Ah! C'est marqué Maola, elle a joué à New World pour la première fois! Ça y est. Il joue sans toi. Laissez-moi jouer avec Maola! Non mais laissez-moi. Laissez-moi. Jouer avec ma Olan. Non mais laissez-moi. Non mais laissez-moi. J'arrive pas à comprendre. Le jeu, il me dit vraiment, vous devez avoir ouvert Steam alors que je lance le jeu depuis Steam. Le jeu se fout ta gueule. Ok. TFK. Vas-y, t'as raison, je vais genre quitter Steam. Non, mais. En fait, tu sais que moi, Steam, il me fait des grosses histoires avec la VR. Hein. Je galère trop. Avec certains... Ah ouais? Ouais, avec mon appli VR qu'on présente au boulot, entre Oculus et Steam VR et l'application, ouais. On s'arrache les cheveux souvent à le faire fonctionner. Ah. Oh, c'est chiant. Ok. Je fais un petit Alt F4. Allez là! Même ça, ça marche plus. Voilà. Ok, j'ai quitté Steam, d'accord? Ouais. Maintenant, j'ouvre Steam. Bonjour Steam. Comment allez-vous? Comment vas-tu? Connexion, blablabla. Bla bla. Tu es gentil, Steam. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu es prêt. Ah! Laisse-moi, je veux pas répondre à ton enquête. C'est ce genre de phrase juste avant que tu tues le personnage principal. Ouais. J'espère que tu vas bien. Vous avez fait bonne route. C'est ça. Tout à fait. Ok, bibliothèque, accueil. Vous voulez boire un truc, peut-être? J'en ai marre maintenant. Voilà, maintenant je lance le jeu. Ouais. Non, c'est une blague. Maintenant, il veut même plus faire charger le jeu, il me dit juste TG avant même de lancer le jeu. Putain, mais c'est fou. Je vais appeler Jas, je vais dire rien. C'est ouf. Vous savez ce qu'il va me dire? Il va me dire t'es sûr de redémarrer Steam? S'il dit ça, tu fais quoi? Je hurle. Ok. Préviens-nous, comme ça on enlève les écouteurs. Ouais, voilà. Bah, si vous l'entendez dire t'as essayé de redémarrer Steam, enlevez vos écouteurs ou mutez-moi. Ouais. Attendez, voilà. Ok, j'ai mis fin à ça. Attends. Alexa, appelle Jess. En plus, vous savez quoi? Il doit être en train de jouer à Apex. Cœur avec flèche. Ah oui, il joue avec... Oui. J'appelle les appareils Alexa de Jess. Je me mute hein, pour pas voir qui joue. Souhaitez-vous laisser un message vocal sur son appareil? Il répond pas? Non. Il répond pas? Oh. Non, il doit être en train de jouer à Apex. Putain, ça me saoule. Vas-y. Ça m'énerve. Montre-moi. Tu me fais un team mover? Regarde.
Bah, je veux bien, mais en vrai, il se passe rien, en fait, c'est le problème. Ouais, il se passe rien. Et c'est encore Shadow, là? Du coup, t'es sur Shadow? Ouais, mais c'est Windows, quoi. Le ouais, problème, tu vois. C'est pas Shadow, le problème, tu vois, c'est genre Windows. Ah, c'est Windows, ouais. Genre, le jeu ne se lance pas, ou alors, quand il se lance, il crash. Putain. Chiant. Non mais il est 22h quoi, je suis dégoûtée. De Johnny Hallyday? Ouais. En plus il aura tout gagné parce que quand il va voir que j'ai rage quit et que je vais faire la gueule alors qu'il est pas venu m'aider. Ah ça va être sa faute. Ouais. Ah là là. Y'a un truc qui s'est lancé. Une blague, World. Arrête en de plus, faire du mal à Camille, elle mérite pas. C'est le seul jeu qui me fait ça. C'est le seul jeu qui me dit que Steam doit être en train de marcher. Ah, mais c'est pas la première fois qu'il le fait. Alors, c'est pas la première fois qu'il le fait, mais d'habitude, je quitte, je relance et c'est bon quoi. Ouais. Attends, fais voir si je tape Steam. Ouais. Ah, c'est un bug connu. D'accord. Alors attendez, je regarde, c'est un bug connu. Vas-y. Ok, comment on fait pour le résoudre? Ils vont dire genre redémarrer Steam. Ah. Ouais. Il parle très bien anglais. J'ai l'impression qu'il parle très très bien anglais. Attendez, je me mute. Non, mais t'inquiète. Laisse, c'est intéressant. Non, c'est chiant. Attendez. Vous savez ce que c'est la première étape? Vas-y, redémarrer la box. C'est relancer Steam. Ah bah oui. Mais tu as déjà fait? Oui. Bah oui, voilà. Donc, bon. Contacter les administrateurs réseau, tu sais, genre, l'étape. Horrible. Bon. Putain, mais je comprends rien en plus, là, c'est un truc de merde. Oh là là, pauvre Jess, ce soir, ça va être compliqué pour lui. Ouais. Non, mais en plus, il m'a ignoré, quoi. Ah ouais, il t'a ignoré? Waouh. Non mais enfin il m'a raccroché au nez. Non mais vous savez quoi, je reviens, hein. Je reviens, je vais aller dans son bureau, je vais lui dire, je vais me coucher. Oh non. Je reviens, attendez, excusez-moi. S'en fout. Ah ouais? Il est sur Apex, il s'en fout! Aïe. Il est là, il me fait. Il me fait quoi? Tu vas te coucher? Et après, il fait genre, j'arrive maintenant. Ah, il s'en fout pas. Bah, il est sur Apex. Mais comment je fais moi? Comment je fais? Je te promets que j'essaie de faire mon mieux, Alex. Hein. Je suis vraiment désolée. Moi, je crois que tu t'en fais pas assez, Camille. Mais ça s'entend grave que tu fais tout. Camille, t'es même pas obligée de préciser. C'est horrible. C'est tellement horrible. Mais en plus, son tuto, c'est de la merde, là. Also, il faut que je delete.
Elle est là. Ok, dans Steam Library. Attends, vas-y, vas-y, écoute. De toute façon, j'ai plus rien à perdre. Oh non, j'ai passé mon clavier en anglais. Non, ça... Et sinon, Alt F4. T'as essayé de éteindre Steam, Kevin? C'est horrible. Attendez, attendez, attendez. My Games. Steam Library. Steam Apps. Ok. Il est où? Il est là. New World. Oh non! Le truc qui dit supprimer, il n'existe même pas. Oh. Ça le prix d'un. Ça le prix d'Indien. Easy anti-cheat. Ce qui m'impressionne, c'est qu'il y a déjà un Indien qui a fait un tuto là sur ce bug. Bah non, mais c'est... Ouais. Ah, attends. Attends. Ok, le truc qui me dit, ça n'existe pas. Ensuite. Allez Camille, propriété, on y est presque. Faire. Allez. Allez Camille. Camille. Ouais, je clique droit sur cette merde là. Camille. Propriété, Camille. Ouais. Camille. Oh, oh, oh. Camille. Compatibility. Oh, attendez, oh, oh. Attendez. Do it. D'accord, en fait, alors tout ce qu'il demande de faire, c'est, enfin, tout ce qu'il demande d'enlever, ça y est pas, déjà. Donc, dis-moi. Ah, bah pourquoi mon jeu il se lance alors j'ai pas essayé de le lancer? Ah. Ça marche, ça y est? Non. Ça charge. D'accord. Ok. Bin, New World. Ok. Je t'en supplie, le jeu. Bravo, le jeu se lance chez toi, connard, mais pas chez moi. Je vais essayer de réparer les fichiers. Le pauvre Indien. Non mais je suis perso tuto mais il doit y avoir autre chose parce que le truc tout le truc qu'il dit fait, il s'est fait insulter tellement violemment. Donc voilà, il y a un problème. Vas-y, je répare les fichiers, on verra bien. T'oublies pas que je suis en stream hein Cap. Oui. Écoute, je suis désolée mais son tuto il est nul. T'inquiète pas. Me voilà sur jeuxvideo.com. Regarde, on dirait presque. Fermé. Hein? On dirait presque de la 3D ce que j'ai fait. Essaye de fermer complètement Steam et de le relancer, ça marche pour moi en général. Oh mon dieu. La violence quand tu rages, c'est un truc de fou. Non mais... Oh t'es bien dit, oh non. Ah c'était trop drôle ça aussi. Non, mais... Oui, c'est clair. J'ai entendu un chat. Non, non, c'est vraiment moi. Ah, t'as fait... Ah, t'es la lionne. C'est vrai. J'ai marmonné dans... J'ai marmonné, putain, j'y crois pas. T'as marmonné. J'ai marmonné. T'as maradonné comme Maradona. Ouais. Exactement. Et...
Mais quoi? Ça marche? Mais quoi? Mais pas du tout! J'essaye même pas d'ouvrir le jeu et il arrête pas de me dire que Steam doit être ouvert alors que je lui ai rien demandé! Wake up Windows là! Wake up! Wake up! Oulala! Ah bah bien fait pour sa gueule! Ouais, alors lui. Chet! Oh putain! La violence! Il va arriver, tu vas voir. Non. Pas du tout. Non, c'est vrai? Mais non, pas du tout, il viendra pas. Mais pas du tout. Il viendra pas. Surtout s'il sait que je viens de lui dire chet. Attends, moi je vais l'appeler. Ah, il arrive. Ah, t'as vu? Ouais, attends, je me mute, hein. Non, laisse. Pardon. Ouais, c'est juste. Non, bah non, je suis pas en stream puisque je peux pas jouer. C'est pour ça que tu m'as appelé? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Mais rien, c'est trop tard maintenant. Qu'est-ce qui se passe? C'est le ça jeu? Ça marche pas. Mais c'est toi ou c'est le jeu? Comment ça, c'est moi? Et c'est quoi le problème? Quand je lance le jeu, il me dit que Steam doit être allumé. Je vais mute moi. Je mute pour le stream. Ah bah c'est bon, en fait elle s'est mute elle-même. Hop là, ah, c'est bon, je peux remettre, comme ça on t'entend. Aïe, c'est dur la vie d'artiste. Ouais. Bon alors, t'en es où? Tu veux remonter ça? Hop. Alors attends, ouais, je regarde. Je remets le live. Attends, il faut que je jaunis un peu le truc. Mais pourquoi il me prend que du blanc? Je veux du jaune. Attends. Hop là. Voilà. Attention. Attention. Ouais. Oh. Cool. C'était un chouette début. Voilà. J'ai pas grand chose encore à faire, je pense, mais. On va voir. Si un peu de. Un peu de bleu. Il manque un petit quelque chose, mais je saurais pas dire quoi. Ouais, moi aussi, je trouve. Bah, peut-être sur la carte, je vais. Je vais voir les vieilles cartes maritimes. Attends, à quoi elles ressemblaient. Carte maritime, alors. Waouh! Ouais, c'est stylé. Peut-être juste en fait en coller une en fond. C'est pas mal ça. Alors? Bah rien, parce que du coup, vu que c'est vérification des fichiers, bah ça, il se passe rien. Oh. Il t'a dit de redémarrer Steam. Il m'a demandé ce que j'avais déjà fait. Donc je lui ai dit ce que j'avais déjà fait. Il m'a dit appelle-moi quand les fichiers sont finis de valider. Bah d'accord.
Cam. T'es la meilleure, Cam. T'es la meilleure. T'es la meilleure. Cam. 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 T'es la meilleure. Cam. C'est pas ta faute, ok? C'est pas de ta faute. Si quelqu'un te dit que c'est ta faute, c'est pas de ta faute. Okay. C'est la faute de Windows. C'est pas de ta faute, Cam. Pas de ta faute, pas de ça ta faute. Ça saoule. Cam, on est là. On est là, Cam. Ça fait très bizarre avec la musique de New World. Oh, white. C'est pas de ta faute, Cam. Je vais y arriver. Voilà, t'es pas mouru. Ouais. Répète après moi. C'est pas de ma faute. C'est pas de ta faute. Je sais. C'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute, Camille. Non, je sais que c'est pas de ta faute, Fabien. C'est pas de ta faute, Camille. Et quand je donne ma langue au chat, je vois les autres prêts à se jeter sur moi. C'est bon, sinon, ce mercredi, tu travailles comment? Ah, bah, mercredi, oui. Je travaille toute la journée au centre de loisirs. Ah, yes. Hein. Jusqu'à quelle heure? Merde. 18h30, si tout va bien. D'accord. Donc après, le temps que je remonte, 19h. Oui. Et le mardi? Mardi, je rentre. T'as dit quoi? Tu termines à quelle heure? Bon, la même chose, 18h30. La même chose? Ok. Parce que moi, mardi, si j'ai dit non pour Stardew, c'est que j'ai un conseil d'école. Ah ouais. Mais après... Moi, le mardi, je vais peut-être aller faire du karaoké. Ouh, stylé. Oh. Bon, Alex, dans tous les cas, j'essaye. Là, je suis en train de valider les fichiers. Hein. Si on peut au moins créer notre personnage, ça serait cool. Mais sinon, si t'es chaud, mardi, parce que demain, on fait du Stardew Valley. Ouais. Tous les 5. Ouais, ouais. Mais si t'es chaud, mardi... Est-ce que je peux vous hyper d'Halloween ou pas? Je vous donne. Bien sûr. Il y a quelque chose de prévu? Vas-y. Bah quoi? On fait une soirée? Bah oui. Oui, mais d'accord, mais... Il va y avoir un truc cool. Je vous ai déjà pas fait de trucs pour Halloween. Je crois pas même. Si, bah quand il y a eu le Covid, mais. Non mais enfin au début quoi. Ouais. Ah bah quoi. Même au début, je vous ai fait faire des trucs des. Ouais. Du coup, je vous donne un indice. Vas-y. Alors qu'est-ce que je pourrais vous donner comme indice? Je pourrais vous dire... Tu vas nous donner 500 000 euros. Attends, non. Je vous donne un indice. Je vais vous dire température glaciale. Oh. Ouh, alors là, ça va être méga stylé. Je sais pas comment tu vas t'y prendre, mais ça va être méga stylé. Voilà. Ouais. Je peux te dire que je reçois des trucs bientôt, c'est par colis, là. Ouh. Voilà. Oh là là. Ça va être trop bien. Trop bien. J'ai hâte. Ouais. Moi aussi. Bah moi aussi j'ai hâte. Mais du coup... Ça va être trop cool. Alors ça dépend, parce que... Est-ce qu'on va avoir une grande map? Ouais. Plutôt... ouais. Ah ouais? Bah ouais. Trop bien. Trop bien. Ok. Trop stylé. Non, après... Non, une moyenne. Une moyenne, pas une petite, mais une moyenne. Ok. C'est pas une prison, hein. Oui. Non, mais... Je sais pas comment tu vas faire, mais franchement, ça va être méga stylé, hein. J'y ai réfléchi, ça peut être pas mal. Après, ça peut être très court. Ça aurait été trop bête que je puisse pas être là. Ah ouais, non, mais... En fait, quand tu m'as dit que tu pouvais pas... Enfin, que tu pouvais potentiellement pas, je dis putain... Ouais. Ça va être tellement dommage, mais là c'est bon. Ouf. Ouais, bah oui, heureusement. En vrai, après, on ira faire des chasses aux fantômes pour de vrai, hein, si vous voulez. Ouais! J'aurai le matos, hein. Ouais.
Ouais, pas de soucis, Fab. J'ai pas envie, demain on a l'exercice d'intrusion là. Oh purée, ça c'est pénible. Attends, intrusion, ouais, en plus c'est horrible en fait, je trouve. Ouais, c'est très stressant. Je me souviens, pour l'exercice intrusion, c'est moi qui ai dû faire l'intrus à un moment. Ah ouais? Dans un moment de mes péricots, ouais. C'est moi qui ai dû faire l'intrus. C'est toi le terroriste, Alex. Et les gamins, ils m'ont redit. Et t'as fait, pourquoi moi? Ils t'ont redé? Ils t'ont dit quoi, les gamins? Bah, ils ont su que c'était moi après. Mais je crois que ça me dit quelque chose, cette histoire, t'avais dû nous raconter, je pense. Possible. C'est fort probable. Oh. Ah putain. Je suis deg en fait, vraiment. T'en as encore pour combien de temps là avant de... Bah là, écoute, j'en suis à 85% de vérification, donc j'en ai encore pour 2-3 minutes, je pense. Mais bon, c'est même pas dit que ça se lance après, quoi. Franchement, si ça se lance pas, je suis désolée, mais je rage quitte avant de tout casser. Hein. Non, mais tu restes avec nous quand même, non? Hein? Il est 22h30. J'ai vraiment les boules, en fait. Mais t'es avec nous? Oui, je sais. Je sais bien. Mais je suis tellement en colère, là. Entre genre là et genre l'autre fois, Stardew qui a planté deux fois et tout, mais nimpe. Moi je crois que je vais faire que deux dessins et je ferai deux demain. Ouais. Voilà. Merde, j'ai même pas regardé ce que c'était que le mot de demain. Ah ouais? What? C'est 2 gigas. Ouais. Quoi? Attends. On va simplifier. Là. Voilà. Là, tu vas pas me casser les couilles maintenant. 95%. Wouhou. En vrai, si ça marche pas, bah, je désinstalle et je réinstalle pour que... Oh, quand même. Bah, pour que ça finisse enfin par marcher. Ça me fait chier. Non. Si, si, ça l'a fait chier, ça l'a fait chier. Alors, ok, tous les fichiers ont été validés, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux jouer au jeu ou ça veut dire que je vais me faire voir? Ok, je vais pas m'enregistrer. Ah! Alors... Parce que la taille de l'image, elle est grande. Trop grande. Ouais. Attends, il se passe un truc. Oh. 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 Il se passe plus rien. Il se passe plus rien. Oh. Je suis un président de la 5ème République. Oh. Je suis. Ah! Alors, l'abbé Pierre. Un président de la 5ème République, l'abbé Pierre. Bah, hein, on sait pas. Hein. Oh, non, je ne suis pas l'abbé Pierre. Je crois que tu m'avais dit. Le président de Karcher. C'est Giscard, hein, je crois. Ah non, c'est pas Giscard. Ah oui, voilà, c'est ça. Non, c'est Giscard. Mais... Si, c'est Giscard. Mais... Je confonds peut-être Giscard ou l'autre, je sais plus. Alors, maintenant, j'ai un nouveau truc, attendez. Vas-y. Nous sommes désolés. Un problème est survenu lors du démarrage de votre partie. Oh, merci, Captain Obvious. Code d'erreur 15. Une erreur d'application s'est produite en cuir du jeu. Putain. Merci. Ah, 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 attendez. Merci, Captain Obvious. Ça faisait longtemps que j'avais pas sorti ça. Ouais. Je détestais en plus les gens qui la sortaient. Des fois je le dis moi. Non, parce que moi je dis merci Sherlock. Mais c'est pas pareil. Non, ouais. Moi je dis no shit Sherlock. Oui, c'est vrai.
Moi, je pourrais détester à vie des gens qui me sortent tout ça. Et je décolle. Bon, écoute, New World. Ça se passe entre toi et moi maintenant. New World. Voilà. Je ne vois que deux issues à ce problème, voilà. New World. Soit tu t'ouvres, soit je t'ouvre. Je t'ouvre et je peux te dire que je vais t'équiper. Ça. Est-ce que tu sais que je suis super fort pour ouvrir les huîtres? Attention, New World. Je te donne un ultimatum. New World. Je te donne 10 secondes. Pour je t'ouvrir. Te donne... Sinon, je t'ouvre moi-même. 10. En mode administrateur. 9. Ah, peut-être. 8. Je ne dis rien. Je vous assure, je ne dis rien, je ne démarre pas. J'ai tout essayé, je ne démarre pas. 6. Mais je vous assure, c'est pas ma faute. Je sais, c'est Steam. Comment ça, c'est Steam? Je vous dis, c'est Steam, il veut pas s'ouvrir. Où est-il? Je sais pas, il m'a jamais dit où il était, j'ai pas son adresse. Toi, ne bouge pas d'ici, je reviens. MDR. Mais pourquoi, je comprends pas. Désolé pour ça. Mais... Et toi, t'es qui, là? C'est pas grave. Non, c'était drôle, en vrai. Bon, vas-y, je tente autre chose. Voulez-vous autoriser cette application à apporter des modifications à votre appareil? Oui, vas-y, je t'en prie. Modifie tout ce que tu veux. Pam, pam, padabam. S'il te plaît. Padabam, pam, pam. Pam, pam, padabam. Pam, pam. Bon, il a toujours pas voulu m'enregistrer cette merde. Allez. Pam, pam, pam. Bon, et ben ça part sur un désinstall de New World, puisque c'est ça, et puis on va réinstaller, c'est ça que tu veux, New World? When you try 16, you want something. C'est Coldplay. I fix you. Je trouvais que c'était de bon augure, non? Ouais. Écoutez, de toute façon, Steam, c'est de la merde. Je vous le dis, je l'ai toujours dit. I will try new world. Putain, fais chier. I will try. Est-ce que c'est un... to attendez. Fix you. Je vais essayer autre chose. Ça vient de Steam. C'est pas de la faute Amazon. I fix you. J'essaye de meubler, hein, de compenser la rage de Camille. Comme je peux. Ah, bonsoir. Allez, toi, Alex, vas-y, chante un peu. Il était un peu. Mais non, allez, chante. Tu chantes tellement mieux, Alex. Tu peux. Il était un petit. Tu peux tellement faire mieux, Alex. Et on fait tourner les serviettes. Ouais, mieux encore, mieux. Qu'est-ce qu'on a serré? Ouais, encore. Non, arrêtez. Entre les sardines. Ah, qu'est-ce qu'on est serré? Au fond de cette boîte, chante les sardines entre les aromates. Putain, moi aussi, il manque le mot avant aromate. L'huile et les aromates. Entre l'huile et les aromates, c'est ça? Oui, c'est ça. Ah ouais, peut-être. Je sais pas. Moi, entre je sais l'huile pas. Et les tomates. Non. Écoutez, j'ai essayé de changer la résolution de mon écran. Écoutez. Est-ce que c'est peut-être ça? Peut-être. Crac crac, mangez des pommes. Moi j'ai fini ma pomme.
Manger des pommes. Crac, crac, manger des pommes. Mais là, j'aurais eu le temps de manger 15 pommes. Jacques Chirac, viens-moi en aide. Crac, crac, j'arrive à vous aider. Quel est votre problème, mademoiselle? Mon jeu marche pas. Crac, crac. Votre jeu est-il crac, crac? Ou c'est un jeu crac, crac, crac? C'est un jeu acheté. C'est un jeu à chier? Crac, crac. Non, acheté. Ah, acheté, pas. Pardon, c'est un jeu à chier. Pardon. Crac, crac, pardon. Ah mon dieu. J'adore. Ah oui, c'est très drôle. J'ai fini. Mes chers compatriotes, l'heure est grave. Camille, ici présente, la première Coucou. Ministre, Madame Camille, a un petit problème de démarrage de logiciel. Crac crac. Oui. Manger des pommes. Crac crac. Je fonde le métro, je fonde le métro. Et alors? Ça va, Camille? Elle est en train de me... Qu'est-ce qu'on rigole? Mon jeu, il marche pas. Oh, putain. C'est un pleur rigole. Alt F4, Alt F4. Même Alt F4, il marche plus. Ah mon dieu. Je vais péter un câble. En plus, tu m'as mis la chanson de l'échec dans la tête. La chanson de l'échec? When you try so hard. Ah oui, mais when you try succeed and you know. Attends, faut que je trouve les paroles. Ouais. I fix you. Fix you. Bon. Écoute, Alex, malheureusement, je crois que vu l'heure, de toute façon, on va pas pouvoir jouer ce soir, donc je vais le désinstaller, je vais le réinstaller, ouais. D'accord? Alors attends, je te le fais en français, d'accord? Quand tu fais de ton mieux, mais que tu n'arrives pas. Quand tu obtiens ce que tu veux, mais pas ce dont tu as besoin. Quand tu te sens si fatigué que tu ne peux pas dormir. Coincé à l'envers. Et les larmes coulent sur ton visage. Quand tu perds quelque chose que tu ne peux pas remplacer, Steam par exemple. Quand tu aimes quelqu'un mais c'est du gaspillage, New World par exemple. Ça pourrait être pire. Les lumières te guideront jusqu'à la maison et enflammeront vos os. Et j'essayerai de réparer. Et tout en haut ou en bas, quand tu es trop amoureux pour le laisser partir, mais que tu n'essayes jamais, tu ne sauras jamais juste ce que tu vaux. Bon, bref, voilà. C'est beau. C'est beau, hein? C'est beau. Et ça a beaucoup de sens, ouais. Avec ce que tu vis, hein, souvent. C'est vrai, c'est ouf. C'est ouf. Camille. Je vais lancer face, moi, je vais aller tuer un fantôme. La première joueuse qui arrive à tuer un fantôme à Phasmo. Je vais lancer Phasmo, je vais dire Théo! Philippe! Je sais où tu te caches! Ta gueule! T'es dans la cuisine! J'y vais! Philippe! Espèce d'enfoiré! C'est toi, sale enculé! Je sais où tu te caches!
Ta gueule! Je vais lancer Sea of Thieves, je vais tuer, je vais casser tous les bateaux que je croise. Sea of Thieves! Pardon. Faut que j'arrête avec ça, putain. Oh là là! Non mais déjà, voilà, Steam, c'est quoi ça? J'ai plus que la fibre normalement sur mon Shadow, j'ai une connexion de malade. Et là? Tu télécharges à 38 MO? Malade! Oh, oui, j'ai pas fait exprès! De malade! C'est une connexion! J'ai vraiment pas fait exprès! C'est mon cerveau! Mais j'ai eu un accent très étrange, j'ai dit j'ai une connexion de malade! Une connexion de malade! J'ai même tellement pas fait exprès que je saurais même pas le refaire, tu vois. C'est mon cerveau, il est en train de vriller! C'est quoi ça, 21 MO secondes? C'est... bah ouais. J'ai cru que t'allais me dire c'est ta vitesse de téléchargement. Non, non, j'ai juste dit c'est bah ouais. Déjà, on m'annonce 9 minutes pour télécharger le jeu. Ça m'affiche 24 jours. Bon. Moi, je veux bien être conciliante, mais il y a un moment, faudrait voir un patron me prendre pour une imbécile. J'ai de la place sur mon PC. Ah. Oui, j'ai de la place. C'est quoi ça? Riot. Qui veut gagner des Riot? Est-ce que ça déconne depuis que j'ai installé le truc de Counter-Strike? I fix you. Bon, et ben... Je suis vraiment tellement désolée, Alex. Putain. Mais pour une fois que c'est toi, j'ai envie de dire. Oui, c'est vrai, mais... Ça va, c'est pas grave. C'est vrai. Ça me saoule quand même. C'était bon, très maintenant triste. On peut te l'avouer, Alex. C'était une mise en scène depuis le début. Camille n'a pas du tout bugué. C'est pour se venger. C'est horrible. Et il y a Clément qui est caché. Grégory Guillotin, là, juste derrière. Là, regardez. C'est horrible. Au moins, écoutez, au moins, j'aurais bien rigolé. J'ai fait ce que j'ai pu, Camille. Maintenant, mon petit plaisir de la soirée, ça va être de faire la galagesse parce qu'il m'a pas aidé. Non, pas du tout. Par contre, j'ai mal à la gorge, donc ça, c'est chiant. Je t'ai fait trop rigoler. Désolé, c'est ma faute. C'est ma faute. Voilà. Aïe. C'est comme ça que tu me remercies. D'accord. Merci. Allez, chouchou. Mais déjà ? Oh, je suis désolée, oh, Alex. Non. Je suis tellement désolée. Non, Alex. J'espère que tu ne m'en veux pas. Pas après tout ce que tu as fait. Non, c'est des lignes. Tu seras là demain pour jouer à Stardew, Alex. Tu veux faire un petit façon, Camille? Ça devrait pouvoir le faire. Je buggerai pas. Oui. Ciao. C'est vrai. Bisous, Alex. Alex, tu veux faire un petit façon avec nous? Non, il faut que j'aille me coucher. Allez. Un petit face-moi. Non, mais oui. Non, bisous, Alex, bisous. Un petit face-moi. Un petit face-moi. Pauvre Alex. Un petit face-moi. Attends. Déjà, est-ce que... Attends, on va voir. Est-ce que je peux ouvrir face-moi? Ta-da. Un fantôme. Oui. Pardon, j'ai crié. Tous face-moi. Tous face-moi. Allez. J'ai ouvert le jeu. Les amis, voilà la fin de mon dessin. J'arrive. Voilà. Ah bah attends, je vais faire. Twitch. Ouh là là. Attends, merde. Trop stylé, j'aime. Voilà. C'est super stylé. Bravo. Merci beaucoup, je suis content. Et c'est marrant parce que du coup, dans le style, ça ressemble à ton dessin de tout à l'heure.
Oui. Avec l'or, et du coup, doré. Oui, et puis la lumière, tout ça, enfin, je trouve ça très joli. Et c'est marrant, du coup, genre, t'as fait deux dessins du même style. Ouais, après, elle vient pas du même endroit. Mais ouais, oui, tout à fait. Oui, bien sûr, elle venait de la droite tout à l'heure, non, je me trompe pas. Ouais. Comme Marine Le Pen. On y va. Ah, bah on m'entend en écho. Alors, j'arrive. J'enregistre ça. On t'entend là? Non. Tu t'entends en écho? On m'entend plus. Ah. Alors. Ah oui, tu veux dire ton stream? Ouais, on va se terminer sur un petit Phasmo. Je vais pas changer le. Parce que je m'en fous. Parce que je suis un thug, écoutez. Les gens, s'ils arrivent, ils ont qu'à regarder le replay. Ils verront qu'il y a quand même 2h12 de dessin avant Phasmo. On se termine sur un petit Phasmo. Tranquille. Je peux aller faire un petit pipi pendant que tu. Bah, pendant que j'essaie d'ouvrir le jeu déjà. Ah non. Là, c'est marqué chargement 90%. Je charge. Écoute, je charge. Je veux pas me porter le mauvais oeil là. Hein. Attends, c'est bon, je crois. Je vais faire pipi. C'est bon, ok. Oh. I'm here to catch some ghost. Je me demandais un truc. Est-ce que tu peux, ça marche de rejoindre quelqu'un dans une partie par l'overlay Steam ou pas? Je sais pas. T'as lancé une partie là? Ouais, je suis, j'ai ouvert une game. Je vais tester. Je vais déjà. Attends, Attends, non, on va relancer une game parce que j'ai une farmhouse ou l'asile. Attends, okay. Je relance. Moi, je peux te dire que pour Halloween, ça sera une farmhouse. Ah, ce que je préfère. Bah, à ton avis. Trop cool. C'est vraiment ce que je préfère, les farmhouses. C'est trop bien. Je sais que tu détestes, mais. Et je peux comprendre pourquoi. J'ai vraiment hâte. Ah, moi aussi, ça va être trop bien. Alors, attends, j'ai quoi? Ah bah yes! En fait, il y a très peu de cachettes dans la farmhouse. Ouais, c'est vrai. Il y a très peu d'angle mort à cause du balcon et tout ça. Mm-mm. Ok! Alors... Je sauvegarde vite fait Illustrator parce que sinon il va me planter dans les mains. Vas-y. Tu sais quoi? Je te mets quand même le code... Ouais. Sur Discord. Oh, ça va. Et Camille, moi ça bug. Ouais. Non, c'est pas vrai. Oh putain. C'est la soirée des bugs. Mais je suis deg, j'avais tellement envie de jouer à New World avec Alex, je suis vraiment dégoûtée. Ouais, au moins je vous ai tenu compagnie, j'ai essayé de... Bah oui. Alors, attends. J'attends. Moi, je suis à 90% de chargement. Mais en fait, j'ai comme un problème. Ah. J'ai comme un problème de RAM, en fait, là. Ah ouais? C'est un peu bizarre, ce qui se passe. Ouais, j'ai tout qui est plein de lag. J'arrive pas à comprendre pourquoi. T'as fermé, Steam? Non, mais moi, par exemple, toi, j'ai Photoshop, Illustrator, t'as pas de... Après, il y a peut-être une mise à jour Windows qui sort background, en fait. C'est souvent ça. Ouais. Tu peux vérifier, c'est pas moi qui les contrôle, les mises à jour Windows. Tu peux pas mettre à jour?
En gros, elles se font toutes seules en fait. D'accord, vraiment, bah, ça se trouve, elles se font toutes seules. Hein. Mais tu peux checker s'il y a une mise à jour qui est en cours. Non? Oula. Camille? 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 Bon, bah Camille nous a quittés. C'est triste, c'est bien triste, Camille. C'était une amie très chère. Il nous a quittés prématurément. Pour rejoindre un nouveau monde inatteignable. Camille. Camille. Peut-être Camille. Camille, est-ce que tu me... Est-ce que... Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu m'entends? Eh oh. Ah. Ouais, ouais, je t'entends, mais je comprends pas ce qui se passe. Tu m'entendais tout à l'heure, là? Non. C'est tout à l'heure, je disais Camille. Bon, attends, Camille, Camille. Camille nous a quittés. C'était une amie très chère qui souhaitait rejoindre un nouveau monde. Ah ouais, mais là, je vais vite le rejoindre, le nouveau monde, là. Je t'ai envoyé le code du jeu. C'est bon, ça vient de débugger. Alors, attends. Oulala. Oulala. Mais je comprends pas ce qui se passe. Ouais, genre, Discord, c'est éteint et tout, et ça me faisait plein de bruits de connexion et de déconnexion. J'ai un gros bug. Attends. C'est quoi? J'avais plus... Ma souris était bloquée sur l'écran de, de Phasmo. Attends. Oh, oh là là. Qu'est-ce que j'essaie de fermer Illustrator, mais en même temps, là mon PC il est... Oh ouais, il est en PLS, oh là là. C'est à cause d'Illustrator. Attends, gestionnaire de tâches. Ça m'a fait trop peur. Et il arrive quand même à émettre Steam sur Twitch, dis donc. Il est quand même balèze. Hein. De quoi? Bah il arrive... Il galère vraiment à m'afficher tout, mais il émet très 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 bien. Ah! Alors. Ça va aller. C'est bon! On a débugué. Regardez ce beau fond d'écran. Là, voilà. Il est très très beau. Et maintenant, on va rejoindre. Alors, attendez. Tu l'as mis dans. Jeux vidéo? Jeux vidéo, ouais. Jeux vidéo! Et oh! Moi, j'adore les jeux vidéo. Les jeux vidéo. Oh, oh. Mais j'aime que les jeux vidéo. Oh, Bip Bip. Coucou Bip Bip. Salut. Merci Bip Bip. Alors, tu arrives sur un bonus de mes dessins. Ça va être. Oh, ça, c'est pas moi qui ai fait. Hein. Je précise, ça va être Phasmophobia. Voilà. Ça n'a rien à voir. Merde, attends. Je peux pas copier-coller? Comment ça va, Camille? 60, 90, 62. Moi? Moi, ça va très bien. Moi, faut pas me poser la question. Voilà. Camille voilà. A bien galéré. Alors, attendez, on va passer... Oh, on t'attend. Oh, on Je t'ai coupé le son. Voilà. Alors, voilà, on est dans Phasmophobia, juste pour se terminer. T'as trop mal au bras, qu'est-ce qui t'arrive, Bip Bip? Qu'est-ce qui t'arrive? Le vaccin, il a fait le vaccin. Oh, Non, non. Je sais pas, j'en sais rien. Elle a quoi? Juste, elle voulait jouer à New World toute la soirée. Tu regarderas un replay, parce que moi, j'ai essayé de lui changer les idées. Voilà. Voilà, c'est bien galère. Mais là, du coup, on fait une petite décompression tranquille. Sur Phasmophobia. Rien à voir avec le vaccin. Voilà. Qu'est-ce que t'as fait, Bip Bip? Qu'est-ce que t'as fait? C'est bon? T'es dans la partie. Ouais. T'as ajouté des trucs, c'est bon? Ok. Ouais. Eh ben écoute, alors j'ai Street House, High School ou prison. Qu'est-ce que tu veux? N'importe. Eh ben, peut-être le High School en vrai pour pouvoir s'échapper, non? Tranquillou. Allez, c'est bon. Non, tu peux... Si. Okay. Merci allez. Pour les 5 bits, je sais plus si j'ai dit, donc je le redis, au cas où. Non, tu l'as pas dit. Ben, merci pour les 5 bits, Bip Bip. Désolé, j'ai oublié de le dire. Je dis juste salut. Je suis désolé. En fait, si... En fait, t'as dit merci, mais t'as pas dit pourquoi, parce que je pense que t'as été coupé. Ah, ok. Eh ben, merci pour les 5 bits, Bip Bip. Avec l'accent... Ah, pardon, putain. Voilà.
Franchement, Camille, je sais pas ce qui t'arrive ce soir. Ouais, inattentive. Hein. Ouais. I fixed new world. Aïe, aïe, aïe. I fix a girl. Non, ça marche pas. Alors, il a été à la salle avec un pote vendredi. Il a mis des charges trop lourdes. Oh, oula. Samedi, il avait grave mal au bras. Et il est allé à la natation. Ça a chauffé les muscles, donc ça allait mieux. Maintenant, dès que je bouge le bras, ça me défonce. Donc je dois prendre une minute pour défiler le bras. Ah bah ouais. Oh, mon pauvre. Et du coup, là, écrire ce message, ça a dû être un supplice. J'imagine. Aïe, aïe, aïe. Camille, t'es où? Encore là? Je suis là, mais c'est ouf, ça charge. Quand je te dis j'ai un problème de RAM, c'est que d'habitude, je suis la première arrivée, en fait. Mon pauvre. J'arrive, hein. T'aimes bien Pokémon, Bip Bip? Parce que il y a Yuma Yumaye qui va bientôt stream sur Pokémon, et puis si tu veux lui faire énormément plaisir, va la follow. Ah bah oui. Elle est super cool. Je suis à 90%, Fabien, je sais pas quoi. Première fois faire, que j'allais à la salle, donc très mauvaise appréciation. Ah ouais, c'est très compliqué d'estimer, mais faut commencer petit, hein, c'est sûr. Et après tu t'en comptes. Qui ça? Yuma Yumaye. Attends, je vais t'envoyer le truc. Yuma Yumaye. Yuma Yumaye. Yuma Yumaye. Yuma Yumaye. Attends. Yuma Yumaye. C'est ça. Ici. Voilà. Elle a fait encore aucune vidéo. C'est quoi ce pseudo? Bah c'est À ton avis? Ah! C'est, ah, j'y suis! C'est Ozone? Yuma Yumaye! Yuma Yumaye! Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Non, mais il y a un problème! Ah, oula! Bon, wow, on va. Le son. Oh, il a encore changé! Attends. Qu'est-ce qui a changé? Ah non, j'ai cru un moment. Attends, quand j'étais à côté de toi, est-ce que c'est un truc? Vous avez vu comme moi? Il y avait plein de trucs. J'ai cru. Bon. Par contre, pourquoi je t'entends alors que je t'avais mute? Ouais, moi aussi, ça me l'a fait. J'ai dû mute et démute. Non, mais par contre, j'ai un problème en fait. J'ai vraiment un problème de RAM en fait. Ah, t'essayes de bouger là? Ouais. Ah ouais, tu fais des jump cuts. Et en plus, je t'entends en double. Bah, va dans. Fais échappe et tu peux relever et rebaisse. T'as vu le type louf, c'est elle qui l'a dessiné en plus. Voilà. Et elle a besoin énormément d'amour, donc vas-y. Non, mais non. C'est. Enfin. Attends. Et si tu fais genre priorité, c'est si tu fais clic droit sur la barre de tâches en bas, d'accord? Ouais. Tu fais gestionnaire de tâches, ok? Ouais. Tu lui donnerais plein d'amour, parfait, très bien. Et tu vas, merci beaucoup. Tu vas dans détail, ok? Tu vas dans détail, c'est bon? Non, mais enfin, imagine juste pour ouvrir le gestionnaire de tâches. Il te fait une barre de chargement. Là, attends, ça va où okay. Déjà, si tu cliques par exemple sur mémoire. Oh putain! C'est laquelle qui est tout en haut? Normalement, ça devrait être Phasmophobia avec 2 gigas. Je vais te le dire, hein. Attends. Vas-y. Pour l'instant, le gestionnaire. Dans processus, dans mémoire. Ensuite, après, en dessous, moi j'ai Google Chrome, mais tu peux fermer Google Chrome hein, si tu veux. Mais je sais pas si c'est. Tu as peut-être pas. Ok. Processus. Mémoire.
Ouais, si tu cliques sur mémoire, normalement ça te met celui qui pèse le plus moi, lourd en haut. C'est marqué interruption Attends, c'est marqué interruption système, 100% du processeur. Quoi? Quoi? Et alors, ok. Ouais. Alors maintenant, tu déroules le interruption système, tu fais clic droit dessus, et tu fais... Ouais. Non, fais pas fin de tâche, à mon avis ça va bugger. Attends. Il a disparu. Ok. What the fuck. Alors, va dans détail. Va dans détail. Et tu fais la même chose ouais. que je t'ai dit tout à l'heure. Tu mets mémoire en priorité. C'est quoi que t'as tout en haut? Alors, ouais. Attends. Salon, ça charge, hein, évidemment. Bah, il n'y a rien en détail. Si. Ah, ça y est, mémoire. Ouais, j'ai Phasmo. Ouais, il y a 2 gigas, un truc comme ça, il y a des poussières. Ouais. Ok. C'est ça. Et en dessous, il y a quoi? Définir la priorité. Steam. Ok. C'est bizarre que Steam. Steam Web. Steam Web Helper. Ouais, c'est normal. Et c'est quoi les. Celui en dessous qui Discord. Prend le plus de place, par exemple? Parce que moi, par exemple, en dessous, moi j'ai OBS parce que je suis en stand stream. Ah ouais. Moi ouais. J'ai Discord. Ok, c'est normal. T'as rien d'autre qui prend de la plusieurs place? Plusieurs fois. Okay. C'est normal que j'ai Discord plusieurs fois? Non, normalement tu dois l'avoir. Ah si, il y a plusieurs Discord, ouais. Si. Ah ok. J'ai un truc qui s'appelle SVH Host. Mais je sais pas ce que c'est. C'est ce que tu dois host. À mon avis, c'est ce qui gère. Mon Shadow peut-être, Shadow, ouais. Ouais. Et t'as rien d'autre qui prend. Par exemple, si tu cliques sur processus. Tu vois, c'est juste à côté de mémoire. C'est quoi ouais. C'est quoi qui prend le plus de processus dans ça? Là, ça bouge beaucoup normalement ça. Mais genre, t'as Phasmophobia qui doit en prendre un tiers. Eh ben, en dessous, j'ai Discord. T'as Discord qui prend le plus? Ouais. Ok, mais t'as quoi? Et j'ai un truc qui s'appelle hôte de service 6 main. Mais ça, c'est. À mon avis, c'est Shadow. C'est Shadow ça. J'ai un doute. J'ai comme un doute. Ah ouais? Ouais. À mon avis, si tu vises OVR serveur. Ah oui, non, c'est CVR, on s'en fout. J'ai comme un doute. Et quand tu vas dans performance. Je vais essayer de le fermer pour. Ok, quand tu vas dans processeur performance, il ouais. y a quoi qui s'affiche? Tu vois. Je vais te le dire quand ce sera ouvert. Donc déjà, mon processeur est occupé à 100%. Bah, ça, c'est pas normal. Ah non, c'est pas normal, ouais. Mais en plus, on a donné qu'il n'était pas à 100%. Alors, attends. Ouais, c'est marqué 99% du processeur qui est pris quand je suis dans processus. Putain. Et la mémoire? Et par quoi? Et la mémoire? La mémoire, 59. Pourcent? Ok. Et ouais. Les SSD, tout ça, disque et tout? Disque 1, réseau 0, pro. Ça c'est quoi? Un autre truc. Ah, le GPU peut-être? Le GPU, ah, processeur graphique 15%. Et GPU? Ça va. Ah, et ben là. Merci pour les. Ah, pour mais il y a ça qui. Merci beaucoup. Je suis en train de solutionner les problèmes. Moteur de processeur. Bah. Attends, GPU, ça s'affiche pas. C'est tout en bas, c'est en dessous d'Ethernet. En dessous? Attends, oui, mais moi j'ai pas ça non. dans ce normalement, sens-là. Normalement, tu dois avoir processeur. Ah oui, mémoire. Non, mais dans performance, pardon, dans performance. Oui, oui, ok. Ouais. Ok, attends, c'était parti ailleurs. GPU, 16%. 16%? Physique, quoi. Ouais. Mais non, c'est pas normal. Non, moi je suis à 100% par exemple, vu que je suis dans le jeu. Ah oui, mais vu que moi je suis... Ouais, non, je sais pas. Bah, en fait... Enfin, tu vois, il n'y a pas un pic... Bah oui, mais non, moi... Non, mais c'est moi, mon processeur, moi, par exemple, là, le problème. 100%. Non, je pense que c'est ton GPU, le problème, parce que dans Phasmophobia, il devrait être pris presque en totalité avec la 3D. Salut, Kevin. C'est bizarre qu'il soit limité à 16%, alors qu'il devrait être à fond, là, justement. C'est étrange. On dirait qu'il est pris par autre chose. Mais moi, oui, mais parce que c'est. Attends, là. Mémoire de processeur graphique, mémoire dédiée.
Je sais pas. Moi, je suis étonnée par mon processeur qui ne doit pas être pris à 100% déjà. Oui. Yes. Ah! Oh! Attendez! Attends. Ça se trouve, il te lance. Ouais. Ça se trouve, t'as un problème de carte graphique, justement. En fait, en gros, il y a certains PC, ils ont un problème de mise à jour de carte graphique, c'est le processeur qui prend la place sur le calcul de 3D, tu vois. Si t'as un très bon processeur. Ah. Et du coup, ça se trouve, ta carte graphique, ouais, elle est pas à jour. Du coup, t'as du mal à faire tourner tes jeux. Donc, FastMovie, il a réussi à se lancer, mais que sur le processeur Intel, tu vois. Et par conséquent, c'est pour ça que ton processeur est à 100% alors qu'il devrait pas l'être. Et ta carte graphique, elle est qu'à 16 alors qu'elle devrait être, lui, à 100. Bah ouais. Ouais, incroyable, ça stream. Mais là, je sais pas quoi faire. Attention, du coup. Papier, maman, parce que c'est tout virtuel. Sur les doigts. Et exactement. Un vrai malade, ce Covid. Papa. Putain de clavier. Oui, c'est vrai. Ouais. Tu veux qu'on essaye quand même ou pas? Ah bah là, non, mais là, je ne peux... En fait, là, je ne peux rien faire, quoi. Genre, j'appuie sur avancer et genre, je bouge 3 secondes après, quoi. Enfin, c'est juste abusé. Bon, attends, bah, les amis, ça va être une fin de stream sur un échec. Ah ouais. Ah non, c'est horrible. Mais à mon avis, c'est ça, c'est que c'est ton processeur... Qui gère ta 3D. Ouais. Et ça. Ouais. Écoute, je quitte FastMo pour voir ce qui se passe. Quitter la session. Putain. Ah, ça m'énerve. Ouais. Bon, vas-y, je vais aller montrer à Jess. Ouais, va le montrer. Hop là, bon, les amis, c'est une fin de stream un peu triste. On n'aura pas réussi à jouer, mais en tout cas. Ça me fait grandement plaisir que vous soyez là, que vous arrivez tard et tout, sur une fin de stream. Je peux quand même vous montrer le dessin que j'ai fait, les deux dessins que j'ai fait tout à l'heure, si vous voulez. Des bisous. En attendant, des bisous, gros bisous. Ouh là là, ça crie. Bisous Cam, courage. Vive les PC, le Shadow. Ouais, exactement, le Shadow. Alors attendez, je vais vous montrer ça. Alors ça c'est Compa, qui est en train de démarrer. J'arrive. Je vous montre. C'est en train de charger. Startou demain soir et tu streams. Bah, j'ai vraiment, vraiment hâte que tu streams, Kevin. Ça va être cool. J'espère que tu t'es fait un design et tout. Il y a Claire aussi qui va peut-être stream en plus. Voilà. Ça, c'est pour Compa. Voilà. Et ça va être cool. Et ça c'est pour Helmet. Je viens pas chez toi, moi. Voilà. Je vais peut-être peaufiner un petit peu justement parce que du coup j'ai un peu arrêté précipitamment pour revenir jouer avec Camille. Mais voilà. Pauvre Camille qui est au fond du trou à cause d'un bug de Shadow. Ça vient de Shadow. Voilà. Mais je vais peaufiner. Bon, je vais peaufiner là, si vous êtes là. Si ça vous dérange pas. Si ça vous dérange pas, je le travaille comme ça. Ça m'emmerde pour Camille, quand même, vraiment. Acheter Xbox, qui dit.
Tu sais que c'est du prosélytisme. Si ça ne dérange pas, MDR la blague, comme... t'inquiète, je t'aime pas. Parce que je suis ton père. Ça part en clash à chaque fois avec Bip Bip et Kevin. On va faire un rap game au bout d'un moment. Si vous avez envie de vous marrer, je vous conseille de regarder genre un peu juste avant, genre 20 minutes avant que vous arriviez, Camille qui galérait et puis moi qui essayais de lui changer les idées en chantant n'importe quoi. Mais alors n'importe quoi, si vous vouliez voir à quoi ça va ressembler le karaoké, bah je vous conseille de regarder un peu avant. C'est n'importe quoi. Je sais pas s'il y a des clips. Faudra regarder dans les. Moi je l'ai pas clip en tout cas personnellement. Il y a peut-être des gens qui ont clip, il y avait des gens. J'ai pas encore regardé. Si vous voulez rigoler, je pense qu'il y a moyen de rigoler. Parce qu'il y a Camille qui rageait, puis moi qui étais en train de chanter du Coldplay. J'ai tellement rigolé à le faire. Sinon, go jouer sur Atari 2600 demain. Ouais, mais grave. Grave. Par contre, ouais, ok. Je suis nul parce que j'ai pas clip. Mais attendez, je fais un live. Les gars, pendant que je live, je clique pas. C'est vous, ça vous de clipper. J'aimerais voir un film de ce passage-là, où il y a Kevin et Bip Bip qui se battent à coups de dons de stream. Hé, donne des bits! Vas-y! Fais mieux que ça! 30 bits dans ta gueule! On n'était pas là, monsieur. PK, je te laisse premier, parce que une fois que tu peux être bon en un truc... Oh là là! Oh! Dis que t'as pas de thune. Ah putain. Vous êtes fous les gars. Une bataille à propos des dons. J'ai jamais vu ça mais c'est trop drôle, ça fait marrer. Ah. T'as acheté un Shadow qui marche, c'est vrai? Trop cool! J'ai plus de sous, demain, stream, j'ai acheté un setup, t'as acheté un Shadow qui marche. Ah bah j'espère qu'il va marcher, hein, toi. Compte pas sur moi pour te en donner. Oh, merci pour les 5 bits, Bip Bip. Merci beaucoup.
Moi, je pense que Hollywood, ils vont nous acheter les droits de cette guerre. Ils vont l'appeler la guerre des bites. Merci Kevin pour les 6 bits. C'est de quoi. Merci pour les 2 bits. Aïe 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 aïe. Vous êtes fous. Vous êtes fous. Merci pour les 3 bits. Aïe aïe. Merci pour les 4 bits, bip bip. Ça va trop vite. Merci pour les 4 bits, Kevin. Merci pour les 6 bits, bip bip. Merci pour les 5 bits, Kevin. Pardon. C'est ça. C'est un vrai raid de ouf. C'est fou. Oh là là, putain, qu'est-ce que vous... Vous êtes fort, vous êtes très très fort. Merci pour les 7 bits. Merci infiniment. J'ai du mal à suivre, hein. Je vais faire que avec les alertes. Hein. Parce que je vois que vous les envoyez aussi dans le chat, mais le temps que ça traite, ça ne voit pas tout de suite. Merci pour les 8 bits, bip bip. Merci pour les 10 bits, Kevin. C'est fou. Merci infiniment. C'est vraiment... C'est ça qu'en fait il devrait faire. Merci pour les 11 bits. Bip bip, putain. Putain, vous êtes fous. Aïe 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 aïe. Arrêtez. Faut que vous en gardiez pour le The Event, les gars. Aïe aïe. Merci pour les 20 bits, Kevin. Merci infiniment. Oh, putain. Cette guerre n'a aucun sens. Aimez-vous les uns les autres. Arrêtez de faire la guerre. Merci pour les 30 bits, bibi. Oula, ça commence à atteindre. Aïe 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 aïe. Il n'y a même plus de musique, il y a juste le blum 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 blum. Aïe aïe aïe. Mais en tout cas, merci pour tous les cœurs que vous envoyez. En tout cas, ça me fait chaud au cœur. Vous vous battiez comme ça. Merci. Merci pour les 31 bits. Bif. Kevin, pardon. Wow, merci pour les 31 bits, Kevin. C'est des cœurs, c'est cool. Oui, exactement, c'est des cœurs, c'est cool. J'ai du mal à suivre. J'ai du mal à suivre. Oh, t'as un nouveau badge. Ah oui. Oh, t'as un joli badge. Il est joli celui-là. Merci pour les 32 bits, Kevin. Oh, putain. Eh, merde. Merci pour les 32 bits. Bip, bip, putain. Oh là, ça... Vous allez trop vite. C'est fou. Ils sont tous beaux. Ah, c'est gentil. Merci beaucoup. Faudra que je refasse pour les points de chaîne le fameux pancake. Le fameux pancake de merde. Oui, je me trompe à chaque fois. Dans le replay, c'est horrible. Mais pour moi, vous êtes aussi bien l'un que l'autre. Du coup, je ne vois aucune différence. Je ne vois que des cœurs. Et vous êtes hyper gentils, tous les deux. Oh! Merci Kevin pour les 100 bits. Vous êtes fous. Vous êtes fous les gars. Vous êtes fous. Ça va clipper ce moment là. Ça va clipper. Merci pour les
Merci pour les 120 bits, Pipi. Merci beaucoup. Vous êtes fous, les gars. Arrêtez. Oh non. Mais combien, là? Attends. Combien vous avez mis, là, déjà? Ça me gêne un peu. Aïe, aïe, aïe. Vous êtes fous. Ton agent de poche va y passer. Arrête de prendre la carte de maman. Aïe, aïe. Oh ah oui, les gars. Attends, ça s'est pas actualisé encore. Chut, maman est pas au courant. J'ai pas envie d'avoir des problèmes avec ta maman, Bibip. Hein. Merci, Kevin, pour les 103 bits. Merci. Merci, Bibi, pour les 104 bits. C'est quoi ces stats? Merci, Kevin, pour les 105 bits. Ah, putain. Camille qui vient de partir. Oh là là, les gars. J'arrive même plus à finir mon dessin. Je vous regarde juste vous battre, ça me fait marrer. Vous êtes fous. Vous avez démarré un train de la hype, les gars. Vous avez démarré un train de la hype. Mais les gars, qu'est-ce que c'est que ça? Merci, Bibi, pour les 217 bits. Vous êtes fous. Vous êtes fous. Ça démarre un train de la hype. Vous êtes des tarés. Bah, moi, en fait, je vois, dans 4 minutes, il y a un train de la hype qui arrive. Il manque un truc, je sais pas. Il a mis tapis, le petit bip bip. Ouais, il a mis tapis. Bah, en fait, moi je vois un train de la hype, en fait, techniquement... Abonnez-vous et offrez des bits ou des abonnements pour démarrer un train de la hype. Voilà. Et à mon avis, c'est parce qu'il n'y a que des bits qui ont été lâchés et pas d'abonnements. Et du coup, ça démarre pas le train de la hype. Mais en gros, là, moi, j'avais jamais vu ce message. J'ai un message qui vient de popper, là. Le train de la hype est en approche, il y a 3 minutes. Voilà. Vous êtes des fous, là. Vous avez donné combien, là? Attends, en direct? Oh, on est presque à 10 balles, hein, les gars. À 2, vous êtes à 10 balles. Vous êtes des fous. Oh, Kevin. Merci pour les 300 bits. Putain. Non, même si c'est des subs, ça marche. Donc normalement, c'est pas ça le problème. Ah bah voilà, RIP moi. J'ai vraiment plus d'argent. Putain, les gars, vous êtes des fous. Vous êtes vraiment des fous, mais merci infiniment. J'espère que c'était pas juste pour votre bataille à vous, que c'était pour moi en vrai. En tout cas, ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup. Ah là là, vous êtes fous. Vous êtes fous. Vous venez de mettre... Là, c'est une journée de fou. Là, j'en suis à 12. J'en suis à 12 dollars. Les gars. Avec ça, je vais avoir mon virement. J'ai Alexa qui s'est mis en marche parce que j'ai dit avec ça, elle s'est démarrée. C'est les deux Fabou. Oh, c'est le début de la richesse. Bah merci beaucoup. Vous êtes fous, mais je vous aime beaucoup. Vous êtes trop fous. Aïe 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 aïe. Ça me fait chaud au cœur. Tout ça pour une bataille de bits. C'est ça, bataille de bits.
Bon bah il y aura pas de train de la hype, je sais pas pourquoi. Il manque un truc pour le train de la hype. Il voulait pas, je sais pas ce que c'est. Je suis pas sûr d'avoir le temps, mais j'espère. Bah demain, ouais, sur Stardew, et puis moi de toute façon demain je fais aussi deux dessins juste après le boulot, donc vers 17h je vous fais des dessins. Lâche un sub vite fait pour voir. Mais le problème c'est que il est déjà sub, Kev. Là il reste une minute donc c'est trop tard. Ça. Non mais vous inquiétez pas, c'est pas la peine de sub. De toute manière je vais bientôt arrêter donc c'est pas la peine. Non, t'inquiète, vous inquiétez pas, c'est pas la peine. Mais vous êtes déjà sub tous les deux. Il reste 45 secondes. Vous êtes fous. Oh là là. Cryofreeze vient de subscribe. Enfin, grâce à Kevin. Merci Kevin d'avoir offert un abonnement à Cryofreeze. Et du coup... Bah voilà, quand tu... Et du coup, il reste 19 secondes, ça n'a pas lancé le train de la hype. Mais je comprends pas ce message. Alors peut-être que là, dans 10 secondes... Attention. Une seconde. Et là, ça n'a rien fait. Oh putain! Bah je sais pas. Je sais pas ce qui manquait. Et j'ai pas compris ce qui manquait. Ah, faut 3 personnes minimum. Faut 3 personnes différentes qui offrent des bits. D'accord. Bon bah c'est assez fou. Bah au moins vous avez trigger le train de la hype. J'avais jamais vu ça. Donc on a découvert ensemble. Merci beaucoup. On a découvert comment ça marche. Mais soirée qui fait mal pour vous. Hein. Merci beaucoup, merci infiniment. Je suis hyper touché. Ok, je vais aller voir sur internet. Mais il manquait un truc pour le temps de live. Faut être en catégorie hot tub, ouais, c'est ça. Faut avoir un décolleté comme ça. Pour les trains de live. Exactement. Non mais vous êtes fous par contre. Et là si je fais les comptes. Depuis le début que je peux stream avec de l'argent. Ah non. Non, pas tant que ça. Non, j'allais dire peut-être que j'atteins un truc. Mais vous avez donné beaucoup quand même, hein, les gars. Oui, c'est vrai que t'as rien payé, toi. Enfin, t'as payé indirectement, t'as payé quand même Amazon. Ah là. De la folie. C'est la meilleure journée que j'ai faite depuis le début qu'on puisse me payer. Là. Vous m'avez niqué toutes mes stats en fait. Maintenant, à chaque fois, une journée normale, ça va être une toute petite barre en bas là. J'ai le tableau des stats, c'est n'importe quoi. Aïe aïe aïe. C'est fou. C'est quand même... Ouais, j'ai bien fait de rester, effectivement. Mais vraiment... la folie. De la folie. Je vous aime, putain. C'est des fous. Quelle chaîne ont des spectateurs en commun avec moi à 69%? Camille. Et moins de 1% Domingo. Je sais pas. En fait, tous les autres, je les connais pas. Et après, les ceux en dessous, rien. Les vues, c'est du direct externe. Il y a 95% de mes vues. T'as bien fait de rester Ref à tuto. Ref à tuto? Je connais pas Ref à tuto.
Il y a eu Crisis qui m'a quand même amené 19% des followers récemment. Super gentil. T'as pas trouvé, ouais. T'as vu, c'est bizarre. J'ai l'impression qu'il manquait un truc pour démarrer le train de like, mais on devait pas être à 16 pour ça. Merci. Juste merci. On essaiera de comprendre un autre jour, mais merci infiniment. Vous avez trigger le chauffeur du train de la hype quand même. Il a fait oh là, qu'est-ce qui se passe? Et puis il a regardé quand ça le fait. Voilà, c'est deux personnes qui s'engueulent. Bon, voilà, c'est pas la peine. Les heures sup sont pas mal, non? Ah, effectivement, les heures sup sont bien payées. Plus que les heures travaillées, hein, effectivement. Aïe, aïe, aïe. Bon, les amis, sur cette bataille, sur ce champ de bataille plein de bits dans tous les sens, je vous souhaite une bonne nuit. Merci beaucoup, Kevin. Merci beaucoup, Bip Bip. Vous méritez d'être au panthéon des fondateurs de cette chaîne. Vous avez tout mon respect. Je vous souhaite une bonne nuit. À tous. Ciao, ciao!